Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Voilà, je vous propose de commencer donc, ce webinaire sur les programmes C2E mobilisables par les collectivités. Donc, je m'appelle Benjamin Godefroy, je travaille pour la région Grand Est et en particulier sur les certificats d'économie d'énergie qui permettent de financer des économies, des travaux d'économie d'énergie. Et aujourd'hui, on va s'attarder plutôt sur les programmes C2E, donc, qui sont une autre partie des financements C2E. Et que d'ailleurs Grégory vous détaillera plus en profondeur. Donc aujourd'hui, on va justement aborder ce thème des programmes C2E et on parcourra la thématique d'abord de la précarité énergétique, donc avec Amorce et Leclerc. Ensuite viendra la thématique de la mobilité et des certificats d'économie d'énergie. Donc là, on aura aussi une intervention d'Olivier Esrim de la région sur le programme Advenir et de la FUB et de Roseau ainsi que de la ville d'Illkirch sur le programme Alvéole. On parcourra la thématique bâtiment aussi avec le programme Acté dont vous avez dû déjà entendre parler. Et ensuite, on parlera des programmes à destination des écoles et des jeunes publics, donc notamment que ce soit public scolaire, école primaire, collégien ou lycéen. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir présenter l'ensemble des programmes qui peuvent être mobilisables par les collectivités. Ce n'est pas forcément exhaustif parce qu'il y a beaucoup de programmes, mais voilà, n'hésitez pas à venir piocher dedans, aller creuser aussi les thématiques parce qu'il y a certains programmes qu'on verra qu'en surface parce qu'on n'aura pas le temps de rentrer dans les détails, mais surtout profiter des intervenants. Je pense que c'est la vraie plus-value de ce webinaire, d'avoir des intervenants qui connaissent vraiment bien leurs thématiques et qui vivent ces programmes au quotidien, que ce soit à la fois des utilisateurs ou des porteurs de programmes. Donc, je vous invite vraiment à utiliser ces programmes. Par ailleurs, je veux bien demander aux participants si c'est possible de couper le micro quand c'est possible. Voilà. Pour permettre de s'entendre entre nous. Merci. C'est top. Et donc, je vais laisser Grégory Chédin de l'ADEME continuer. Et qui va nous présenter le fonctionnement général des programmes C2E et des certificats d'économie d'énergie plus en détail. Grégory, est-ce que tu es là? Merci Benjamin, oui tout à fait. Alors, je vais partager l'écran. Voilà, donc moi je suis Grégory Chédin, je suis coordinateur du dispositif C2E pour l'ADEME, donc au niveau national. Et donc je vais vous présenter, comme l'a dit Benjamin, en quelques minutes, les programmes. Alors, soit pour ceux qui connaissent, vous n'allez pas forcément apprendre grand-chose, soit quand même ça va être une petite révision, ou pour ceux qui connaissent de manière un peu plus diffuse ce dispositif C2E, c'est pour vraiment recadrer les programmes dans le dispositif de manière générale. Voilà, donc c'est en quelques slides, vous aurez une idée. Normalement très clair, des programmes et comment ils s'inscrivent dans ce dispositif. Voilà, donc là j'ai mis un grand écran. Alors, quelques petites généralités hein, sur le dispositif. Ça fait maintenant 15 ans hein, qu'il existe, sur ce dispositif des C2E. On est sur les économies d'énergie finales dans 6 secteurs: résidentiel, tertiaire, industrie, agriculture, réseau et transport. Voilà. Donc l'État impose de faire des économies d'énergie. Donc, il y a des obligés, des grands fournisseurs d'énergie, distributeurs de carburant. Ils doivent réaliser des économies d'énergie auprès de bénéficiaires. Et tout ça, ça s'inscrit, c'est matérialisé par des C2E, des certificats d'économies d'énergie. Et il y a donc d'autres acteurs, autres que des obligés, donc les éligibles, et tout ça, je vais vous le préciser. Et puis, il y a un marché d'échange. Voilà. Donc, en fait, c'est ce schéma-là que je vais vous présenter, mais de manière dynamique, pour vraiment que vous compreniez bien le dispositif et comment les programmes ils s'inscrivent là-dedans. Parce que ces programmes, c'est quand même assez différent du schéma classique de production des C2E. Voilà, donc c'est vraiment pour vous y en tête et comprendre après les présentations qui vous seront faites sur les programmes, comment ça marche. Donc, sur ce schéma, vous avez sur votre gauche l'autorité administrative, la Direction générale énergie-climat et le pôle national des C2E, le PNC2E. Ils ont une plateforme sur laquelle on enregistre les certificats d'économie d'énergie, c'est la plateforme EMI. Et EEX, c'est le prestataire qui s'occupe de cette plateforme. Voilà, donc l'autorité administrative, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va évidemment surveiller le marché qui va se mettre en place, marché d'échange des C2E.
Mais surtout, hein, elle fixe donc des obligations de C2E, des obligations sur des périodes. Donc on est à la quatrième période à l'heure actuelle, qui a commencé début 2018 et qui s'achève fin 2021. Donc on est sur une période de 4 ans. Voilà, donc ces obligations sont données, vous avez un certain nombre d'acteurs là obligés, il y a environ 130 obligés en France. Et donc ces obligés vont devoir faire des travaux, des opérations d'économie d'énergie. Donc, comment vont s'y prendre ces obligés? Soit ils vont travailler sur leur propre patrimoine, ça là il n'y a pas de souci, ils peuvent évidemment le faire. Mais ils vont surtout devoir jouer un rôle actif incitatif auprès du consommateur final. Donc là, vous avez les secteurs, il n'y a pas les six, mais en gros, il y a les six secteurs que je vous ai dit tout à l'heure, auprès du consommateur final, le bénéficiaire. Voilà. Et qu'est-ce que c'est qu'un rôle actif incitatif dans le dispositif C2E? C'est, on pense évidemment à une prime, donc voilà, au financement, mais donc il y a la prime, il y a le bon d'achat, il y a aussi, il peut y avoir des prêts, des conseils ou des produits, services offerts, tout ça, ça rentre dans le rôle actif incitatif. Donc, ce n'est pas forcément que de l'argent, les C2E. Mais la plupart du temps, maintenant, c'est essentiellement, évidemment, du financement. Ces obligés, ils peuvent également travailler avec tout un tas d'intermédiaires que sont les mandataires, les fournisseurs d'équipements, installateurs, artisans, etc. Donc, il y a un contrat qui est fait entre ces intermédiaires et l'obligé. Les intermédiaires jouent également un rôle actif incitatif, ils vont proposer quelque chose pour qu'il y ait des économies d'énergie qui soient réalisées auprès du bénéficiaire. Voilà. Donc, ces économies d'énergie sont récupérées, on va dire, matérialisées par des factures, des documents administratifs. Ces dossiers de preuve sont déposés sur la plateforme EMI et en contrepartie, il y a des C2E qui sont délivrés à l'obligé pour remplir sa jauge d'obligation. Voilà, donc ça c'est le schéma traditionnel classique. Donc l'obligé peut également aller sur le marché et acheter ou vendre les C2E. Voilà. Donc, les flèches en pointillé, c'est vraiment qu'à tout moment, il peut acheter ou vendre des C2E. L'obligé peut également déléguer son obligation à des acteurs qu'on appelle délégataires. Délégataires, ils vont avoir une partie de l'obligation, c'est pour ça, vous voyez, une petite partie de l'obligation. Et ces délégataires vont avoir exactement le même rôle à jouer. Donc un rôle actif incitatif, ils peuvent également aller aussi travailler avec des intermédiaires, je ne l'ai pas mis, mais c'est tout à fait faisable. Ils récupèrent les dossiers de preuve et ils peuvent acheter ou vendre des C2E. Et c'est bien après la jauge d'obligation, je dirais de l'obligé qui est remplie, parce que le délégataire a une partie de l'obligation, mais pour un compte d'obligé. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment pour après l'obligé. Voilà, donc ça, on a vu le schéma classique. Et maintenant, on va aller vers le bas, donc où il y a les éligibles, donc ce sont des acteurs qui n'ont aucune obligation dans le dispositif, mais qui peuvent en bénéficier, c'est-à-dire, et vous allez voir comment ils en bénéficient, donc qui sont les éligibles? Ce sont les collectivités territoriales, les établissements publics qui s'y rattachent, l'ANA, les bailleurs sociaux, les sociétés d'économie mixte, les sociétés publiques locales, dont l'objet est l'efficacité énergétique et qui proposent du tiers financement. Voilà. Donc les éligibles peuvent faire en gros, un peu comme les obligés, c'est-à-dire ils vont travailler sur leur propre patrimoine. On peut penser à tout ce qui est école, bâtiments municipaux, éclairage public, etc., etc. Ils vont également, ils peuvent jouer, donc avoir un programme d'action vers le consommateur final ou travailler avec tout un tas d'intermédiaires également et avoir ce rôle actif incitatif. Et il y a des économies d'énergie qui sont réalisées. Et toutes ces économies d'énergie réalisées, elles sont piochées, je dirais, dans un catalogue où il y a un certain nombre de fiches standards. À l'heure actuelle, il y a 200, environ 205, 206 fiches standards. On dit que c'est le catalogue de fiches du C2E. Voilà, les travaux, donc c'est chaudière, isolation, tous ces travaux qui sont déjà définis. Voilà, et quand ce n'est pas des travaux qui sont définis, qui sont dans le catalogue, c'est des opérations spécifiques. Voilà. Et tout ça, ce n'est pas du tout les programmes. Donc, c'est aussi pour vous expliquer que le schéma traditionnel que vous pouvez connaître sur les C2E, et ce que je vous explique là, c'est évidemment le schéma normal. Et vous voyez que ça fait 86 plus 7%, 93% de volume de C2E. Et les programmes, ça ne va représenter que 7%. Voilà. Mais c'est juste pour vous expliquer le schéma vraiment global du dispositif. Donc, une fois que les éligibles ont fait des travaux chez eux, ou auprès du bénéficiaire, ils déposent le dossier de preuve et ils récupèrent des C2E. Mais eux, ils n'en ont pas besoin puisqu'ils n'ont pas d'obligation. Donc, les C2E, ils vont les
les déposer et donc les, enfin en tout cas les proposer au marché d'échange pour récupérer le financement qui permet de financer les travaux ou le programme d'action qu'ils ont effectué, ou donc ils peuvent acheter et vendre à tout moment, mais ils peuvent aussi contractualiser en amont ou en aval, alors tout est possible, dès une contractualisation avec un obligé ou un délégataire qui, en contrepartie, dès ces 2 heures récupérées, va financer. Voilà, et c'est comme ça que les éligibles bénéficient du dispositif en récupérant dès ces 2 heures et en les vendant à des obligés, délégataires ou sur le marché. Et maintenant, donc voilà, donc la jauge, évidemment, de l'obligé, c'est bien lui qui récupère les CE2E in fine. Et maintenant, justement, je vais vous parler des programmes qui sont un autre dispositif, mais qui est vraiment simple, ce dispositif. Il y a un porteur de programme qui peut être toute entité. Hein, donc il y a, ça peut être un obligé délégataire, des éligibles, ça peut être des associations, des universités, tout un tas, des entreprises, n'importe qui, en fait, qui propose un programme d'action. Donc, comment ça marche? Eh bien, il y a des actions qui sont réalisées auprès du consommateur final. Et puis, en contrepartie du fait que les actions sont réalisées, il y a une attestation qui est donnée et c'est bien un obligé, un délégataire qui finance le programme. Ça ne peut être que ça. Puisqu'il n'y a que eux qui vont récupérer l'attestation pour en fait, se fournir en CE2E. L'attestation va leur permettre de transformer ça en CE2E. Voilà. Vous avez le schéma là, je dirais global du mode de production des CE2E. Et puis, in fine, vous avez la flèche tout en haut à gauche, la pénalité là, qui arrive si l'objet, à la fin de la période, n'atteint pas ses objectifs. Il a une pénalité de 15 euros par mégawattheure QMAC. Voilà. Donc là, c'était pour vous brosser, je vous dis, hein, le portrait du dispositif avec les programmes, comment ça rentre en ligne de compte dedans. Quelques petites notions complémentaires. Je n'ai pas parlé, mais donc l'unité de compte, c'est le kilowattheure des économies d'énergie qui sont cumulées sur la durée de l'opération et actualisées. Donc on parle de kilowattheure QMAC. L'obligation elle est fixée pour 4 ans, ça je vous l'ai dit, sur la quatrième période. Voilà, il y a un registre émis. La durée de vie des CE2E, c'est sur la période actuelle et la période suivante. Voilà. Et sachez qu'il y a des bonifications, et j'ai parlé de la pénalité. Voilà. Mais tout ça, ça rentre. Je dirais que c'est aussi à la rigueur du langage commun dispositif CE2E, mais c'est moins les programmes. Et puis, un petit slide sur, juste que vous sachiez, voilà un peu on est parti en 2005-2006 à 54 TWh QMAC, maintenant on est à 2133, vous voyez, donc c'est un dispositif qui prend de l'ampleur. Les programmes là-dedans, c'est 200, en gros 200 TWh sur les 2133 TWh, c'est 7%. À peu près, donc là, ça fait à peu près 10%, mais en vrai chiffre, ça fait à peu près 7% ce qu'on a. Donc voilà, donc ça, je vais redire quelques petits éléments, je vous apporte des infos complémentaires, donc un porteur de programme, et éventuellement des partenaires, donc il y a souvent pas mal de partenaires qui sont dans le portage du programme. Il y a un facteur fixe, ça je ne l'ai pas dit, c'est-à-dire que pour 1 MWh, là on parle de classique, c'est-à-dire sur un bénéficiaire normal, enfin je veux dire ménage normal, il y a 5 euros qui sont versés. Donc le financeur, l'obligé délégataire, finance 5 euros pour chaque mégawattheure QMAC récupéré. Et quand c'est vers des populations en précarité énergétique, c'est 7 euros. Voilà, donc il y a une convention qui lie le porteur, l'État et l'ADEME. Voilà, un obligé, alors éligible, mais surtout obligé au délégataire. Il y a le seuil, j'ai mis le seuil minimum de financement. Voilà. Et puis, la plupart des programmes ont été sélectionnés sur appel à programme ou en expertise de l'ADEME, qui sont après, c'est bien le ministre qui décide. Et une petite précision aussi, c'est que les CE2E délivrés dans le cadre des programmes, ce n'est pas de l'économie, je dirais, des réels, imputables directement. C'est pas du, voilà, on n'est pas sur de l'économie d'énergie physique. C'est bien de la formation, de la sensibilisation, tout un tas d'actions qui sont au-delà d'une opération réelle physique. Et c'est pour ça que c'est pas dans le catalogue standard, c'est autre chose, un autre dispositif. Actuellement, il y a 76 programmes, CE2E, c'est 1 milliard d'euros, voilà, et 210 TWh QMAC, donc c'est conséquent, c'est vraiment conséquent. Il y a tout un tas de thématiques hein, qui sont abordées dans ces programmes, et là vous allez en voir évidemment quelques-unes. Je vais passer vite, mais il y a donc l'éducation auprès des publics scolaires, sensibilisation, formation sur un peu tout le monde, les entreprises, les copropriétés, le secteur bancaire,
dans tout ce qui est territoire non interconnecté, des programmes qui visent la rénovation des bâtiments, les opérations territoriales, voilà, et tout ce qui est mobilité économe, et puis la lutte contre la précarité énergétique. Alors surtout, bah, je vous engage à aller voir le catalogue des programmes, où là, vous aurez le détail, hein, de l'ensemble de ces programmes. Vous avez le lien, donc le lien ce qui est actif, hein, donc le catalogue des programmes mis à jour en septembre. Voilà, et puis pour terminer, quelques guides qui peuvent aussi vous aider, vous accompagner, en tout cas dans le dispositif des C2E, un guide pour les collectivités, un guide d'entreprise, le calculateur C2E de l'ADEME qui vous permet de simuler un projet. Voilà, le site de la T2E, site de référence, comme le site d'Amorce avec la boîte à outils. Voilà, et puis quelques liens évidemment. Si vous voulez savoir le prix du C2E, le site EMI, et puis le site du ministère, et puis une lettre d'information sur laquelle vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez pour avoir des informations sur les C2E. Voilà, et j'en termine avec cette présentation Eh ben, merci générale. Grégory. On a une question à savoir, est-ce qu'une collectivité est obligée de passer une convention avec un objet ou est-ce qu'elle peut mettre en concurrence? Est-ce que tu peux répondre sur la façon dont... Une collectivité, elle est effectivement libre, hein, c'est une mise en concurrence de tous les objets, tous les délégataires. Voilà, donc voilà, donc oui, NR Pro, c'est bien une plateforme qui n'est pas publique, donc, mais en fait, il n'y a pas d'autres plateformes de comparaison de primes, je dirais, enfin d'offres de primes C2E. Donc c'est un outil, en tout cas, sur lequel on vous oriente, c'est-à-dire effectivement cette plateforme NR Pro. Vous pouvez aller après sélectionner quelle est la meilleure offre par rapport à votre projet en termes de primes. Voilà, donc oui, il ne faut pas hésiter justement à mettre en concurrence les différents acteurs qui peuvent vous proposer des primes. Ouais. Sachant que là, on parle bien des C2E classiques, On est quand bien on sur les parle C2E, on n'est pas sur les programmes là, quand Ouais, on est dans ce cadre-là, voilà. parce que le Alors. programme est déjà défini, le programme est déjà financé, et le programme, enfin d'ailleurs les présentations qui vont vous être faites, c'est bien des actions qui sont déjà définies, financées par un obligé. Donc la collectivité qui va être en bénéficiaire de ces programmes, par exemple, à la rigueur, il n'y a plus après d'action, d'interaction, je dirais, sur les C2E en tant que tels, quoi. Sur les questions sur les C2E opérations standardisées, je remettrai le lien vers le webinaire qu'on a pu faire ensemble déjà avec Grégory et Camille. Donc, c'était pendant le premier confinement. Et il y aura notamment des réponses sur comment une collectivité peut procéder pour justement mettre en concurrence ou pas, est-ce qu'elle est obligée de le faire, etc. Il y avait quand même une question qui est intéressante, c'est est-ce qu'une collectivité peut accepter un marché à 0 euro? Avec les C2E. Je ne sais pas si tu peux répondre ou pas, Oui, Grégory. ou j'attendais Camille aussi, mais puis, Non. alors tout à Ah, fait. En ouais. fait, les marchés à 0 €, mais s'il n'empêche qu'il faut quand même être dans le code des marchés publics. Voilà. Donc il n'y a pas de souci pour qu'une collectivité accepte un marché à 0 €, enfin un devis, pardon, oui, enfin de toute façon, une proposition commerciale où il y a 0 € de frais pour la collectivité, c'est tout à fait possible, mais il faut de toute façon être toujours soumis au code des marchés publics et puis donc faire un appel d'offres aux concurrences et. Voilà, donc il n'y a pas de spécificité particulière pour marcher à 0 €. Ok, bah merci beaucoup. Si vous avez, alors, on a une question sur code des marchés publics, c'est-à-dire une mise en concurrence. Il faut suivre les procédures de mise en concurrence et les procédures de seuil. Oui, c'est-à-dire que oui, parce que par exemple, vous allez beaucoup avoir sans doute enfin, vous avez eu des gens qui sont venus vous proposer. Donc, des offres à 1 € à 0 €, enfin 1 € à 0, vous ne pouvez pas les accepter en tant que tels. Il faut que qu'il y ait eu une mise en concurrence de fait, un appel d'offres, parce que vous ne pouvez pas contractualiser directement avec un acteur comme ça qui vous propose quelque chose. C'est ça que je voulais dire. Ouais. C'est ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas contractualiser sur une offre de travaux avec un acteur, mais par contre, on peut contractualiser avec n'importe quel acteur pour la valorisation des C2E. La mise en concurrence n'est pas obligatoire. Ah oui, après, pour vendre les Oui, C2E, tout à fait. c'est ça. Voilà. Donc, il faut bien différencier les deux. Tu as raison. Oui, c'est des petites subtilités, tout à fait. Ouais. Qu'il faut bien prendre en compte comme ça. Parfait. Et ben en tout cas, merci beaucoup. Si vous avez des questions, je pense que ton email est dans ta présentation, hein, Grégory. Moi, Non, je n'ai pas je... forcément mis, mais tu peux Non. le Ouais, mettre ok. Ben après. Tu je le mettrai le mets. dans...
les documents. Ou bien n'hésite pas à le mettre dans le chat, comme ça au moins s'y est. Je vous enverrai la présentation, enfin les présentations. Pour ceux qui veulent, mettez votre adresse email dans le chat. Sinon, pour ceux qui ont accès à l'intradem, en fait, toutes les présentations seront mises sur l'intradem collaboratif du Grand Est. Donc, pour les territoires qui n'ont pas forcément accès ou pour les personnes qui n'ont pas accès, n'hésitez pas à mettre votre adresse email. Je m'engage à vous envoyer les présentations. Voilà. Parfait. Et ben, en tout cas, merci beaucoup, Grégory, pour ces précisions et cette introduction. Je vais poursuivre avec... j'ai refait aussi un petit point sur les sources. Je pense que c'est important. Comme l'a dit Grégory, n'hésitez pas à aller chercher et à aller fouiller le catalogue qui est très bien fait. Franchement, un catalogue qui est très bien fait sur le site du ministère, qui est très pédagogique. Et c'est une bonne source d'entrée pour aller creuser plus loin sur les programmes. Franchement, n'hésitez pas à y aller. Et vous avez aussi la page du ministère sur les programmes C2E qui est très bien faite. Voilà. Et alors, on va continuer. Et cette fois-là, je vous propose de continuer avec la précarité énergétique. Donc là, je vais faire appel à Clémence Foléas et à Hakim Bejaoui. Donc pour la petite histoire, Hakim Bejaoui a accepté de participer à 11h30 ce matin. Donc c'est un petit peu les possibilités des réunions virtuelles, comme ça, d'avoir des invités surprises. Donc, merci Hakim, merci Clémence. Je vous passe la main et la thématique, c'est le SLIM et le pacte Mon 15. Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous voyez mon écran ? On le voit bien. Parfait. Donc effectivement, je vais commencer par présenter le pacte moins 15. Clémence Foléa de l'association Amorce. Amorce, en quelques mots, donc c'est le principal réseau national de collectivités et d'acteurs économiques et associatifs locaux. Donc qui regroupe plus de 960 adhérents et une équipe de permanents de 27 personnes donc, qui œuvrent sur les services publics des déchets, de l'énergie et de l'eau, avec également une composante sur la représentation de la parole des collectivités au niveau des instances gouvernementales. Voilà, ceci étant dit, donc Amorce porte le programme du pacte moins 15, qui est un programme de lutte contre la précarité énergétique et de rénovation des logements. Donc, il a été initié au départ en partant d'un constat qui était la faible capacité de repérage des ménages, la difficulté à massifier le nombre de rénovations et un reste à charge du coup des travaux assez important. Donc l'objectif de ce programme était donc de pouvoir massifier le repérage des ménages, donc on verra comment juste après, de systématiser les visites à domicile et l'accompagnement personnalisé vers les travaux, et d'organiser des groupements de travaux pour justement optimiser le reste à charge. Donc la première phase de repérage, elle se décompose en deux étapes, avec une première étape de diagnostic territorial pour faire un bilan de la situation sur le territoire, et puis une deuxième phase qui est donc de combiner les données socio-économiques pour identifier une liste de ménages prioritaires. Donc, si je prends la première phase de diagnostic territorial, l'objectif, c'est donc sur les territoires qui vont porter ce programme, c'est vraiment de pouvoir faire un bilan
de l'état du parc de logement avec quelques chiffres clés, puis également d'identifier les acteurs présents sur le territoire et sur lesquels on va pouvoir s'appuyer dans le cadre du pacte pour pouvoir voilà, faire un diagnostic vraiment du territoire au niveau de la précarité énergétique. Et donc, la deuxième phase, comme on l'a dit, la partie sur les données. Donc là, il s'agit de s'appuyer sur les acteurs sociaux qu'on peut trouver au niveau local, donc pour identifier les bénéficiaires de la CAF, des chèques énergie, etc. Donc, obtenir une liste de ménages par ces organismes sociaux et dans un second temps obtenir une liste de logements énergivores, donc avec certaines caractéristiques, année de construction, classe DPE, et de pouvoir croiser avec les organismes sociaux ces deux listes afin d'étudier la complémentarité et identifier les ménages précaires. Donc, cette partie sur les logements, les caractéristiques des logements, on s'appuie sur l'outil GoRénov, qui est développé par le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, donc qui est aussi issu d'un appel à projet C2E, et donc qui permet d'avoir une petite cartographie des logements énergivores sur le territoire. Donc, dans un second temps, c'est une partie visite, audit, accompagnement. Donc, sur les ménages qui ont été identifiés, c'est de pouvoir faire un accompagnement personnalisé avec un entretien téléphonique, une visite à domicile pour confirmer la situation de précarité énergétique. Puis ensuite, une phase d'audit énergétique, identifier le bouquet de travaux le plus pertinent et les aides disponibles pour le ménage, et donc de l'accompagner jusqu'à la réalisation des travaux. Et donc la partie 3, c'est l'objectif est de pouvoir faire avec le territoire engagé et les logements identifiés des opérations de rénovation groupée. Donc l'objectif c'est de sur le même territoire d'identifier peut-être certaines typologies et donc des travaux récurrents pour monter une convention avec un groupement d'entreprises et pouvoir maîtriser et optimiser les coûts de rénovation. Voilà globalement. Et donc pour la partie budget et animation, donc c'est vraiment un programme expérimental donc qu'on souhaite proposer à 8 territoires, dont un ou deux territoires qui porteraient conjointement la méthodologie SLIM et PACT. Donc Hakim va en parler juste après, mais c'est effectivement une convention commune entre le PACT et le SLIM. Aujourd'hui, on a la ville de Metz qui est déjà engagée. On a Le Havre, Métropole et Dijon qui sont en cours de signature, le département des Vosges et les Vals-du-Dauphiné qui sont également intéressés. Donc il nous reste encore quelques places pour de nouveaux territoires qui souhaiteraient s'engager dans ce programme. Donc nos obligés sont GEG et NJ. Donc ça, je ne vais pas détailler puisque Hakim en reparlera sûrement, mais donc on peut porter conjointement les deux démarches, SLIM et PACT, et donc avoir un accompagnement et une démarche commune. Sur la partie budget, donc le financement du programme est à 80% financé par les C2E, 20% par la collectivité, avec effectivement une part fixe sur la partie animation et puis les trois étapes principales du programme, et une part variable qui va là dépendre du nombre de ménages accompagnés et comme on l'appelle des actes d'accompagnement qui peuvent être réalisés. Voilà, donc il y a un pilotage national, un pilotage au niveau des collectivités d'amorce, et puis il y a un pilotage local avec les acteurs locaux
du territoire engagé. Donc, comme on l'a dit, l'objectif, c'est de s'appuyer sur les acteurs au niveau local qui sont présents sur le territoire, qui vont des collectivités, services de l'État, acteurs de l'habitat, fournisseurs, distributeurs d'énergie et bien sûr les acteurs sociaux et enfin les professionnels en charge des travaux. Voilà, je vais laisser du coup Hakim enchaîner sur la partie SLIM et vous aurez donc nos coordonnées pour le pacte à la fin du... Clémence, il y a une petite question sur le lien avec le programme SAR. Oui. Est-ce qu'il est prévu ou pas un lien entre les deux? Alors, effectivement, là, on est vraiment sur la partie sur les ménages précaires. Le SAR, pas forcément. Alors, je vais peut-être laisser Camille compléter ma réponse. Oui, en fait, le programme SAR et le programme PAC, c'est pas tout à fait les mêmes, le même déroulé, les mêmes actes, et c'est pas aussi les mêmes publics, vu que le PAC s'intéresse, a pour objectif vraiment les ménages précaires, en précarité énergétique. Donc voilà. Ok. Merci pour la précision. Alors, il y a une autre question qui est de savoir. Lorsqu'un SLIM est porté par un territoire infra, est-ce qu'il y a possibilité pour un territoire de porter un pacte moins 15? Alors, je n'ai pas compris la question. Alors, j'imagine que c'est un territoire supra. Quand il y a un territoire qui est, par exemple, une communauté de communes qui porte un SLIM, est-ce qu'un PETR peut porter un pacte moins 15? Alors, au niveau des territoires, on n'a pas forcément de contraintes sur le territoire qui portera le pacte. Après, l'objectif, c'est comme on disait, c'est de s'appuyer aussi sur les acteurs locaux, donc sur certains acteurs qui ont été qui, sur certains territoires déjà engagés. On a par exemple la ville de Metz qui s'appuie sur les ALEC pour faire toute la partie diagnostic ou ça peut aussi être fait en interne, mais donc sur le territoire en tout cas infra ou supra, on n'a pas forcément de contraintes à ce niveau-là. D'accord. Eh ben, merci pour les réponses et cette présentation. Je vais me permettre de venir le temps que ça charge, Olivier Zrib, Région Grand Est, oui. À propos du programme SAR. Alors, c'est sûr, ce n'est pas du tout les mêmes publics de recherche, mais bien évidemment, pour les territoires qui vont développer ces deux démarches, la région sera vigilante sur la coordination et le bon renvoi et l'accompagnement du public dans ces deux démarches. Voilà, c'est deux démarches complémentaires et les deux peuvent se faire ensemble. Il faudra juste veiller à bien coordonner pour avoir la meilleure réponse possible en fonction de la personne qui viendra vous solliciter en fonction de tel ou tel programme. Merci Olivier. Hakim, je vous laisse la main. En tout cas, merci pour votre présence. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfait. Vous voyez bien ma diapo? Oui. Parfait. Merci à vous de m'avoir invité pour présenter du coup le SLIM. Je vais commencer très rapidement en disant donc que Leclerc, c'est une association qui a été créée en 84 et qui a pour objet trois missions, échanger, déployer, convaincre et informer. Et donc nous sommes des collectivités, des associations, des entreprises et des organismes de formation répartis sur tout le territoire national. En ce qui concerne plus précisément, le SLIM, qu'est-ce que c'est? Donc en fait le SLIM c'est l'acronyme de Service Local d'Intervention pour la Maîtrise de l'Énergie. C'est donc un programme qui a été créé en 2013 et qui est mis en œuvre actuellement donc en 2020 par 41 collectivités. Quand on parle de collectivité, c'est vraiment tout type de collectivité. On a des conseils départementaux,
des régions, notamment d'outre-mer. On a la région Réunion, on a des villes, on a des communautés de communes. On a d'ailleurs le conseil départemental du Bas-Rhin qui est engagé dans la mise en œuvre d'un SLIM. Le SLIM, c'est plus de 12 000 ménages accompagnés en 2019. Et donc, en fait, le SLIM, c'est une méthodologie qui va viser à identifier les ménages en précarité énergétique, diagnostiquer, donc réaliser un diagnostic socio-technique au domicile du ménage, puis orienter ces mêmes ménages en fonction de leur situation vers des solutions adaptées. Donc le SLIM, il est porté par le CLER, Réseau pour la transition énergétique, dans le cadre du programme national SLIM PAC 15. Donc on a ce programme conjoint, une convention commune avec Amorce, nous sur la partie SLIM, Amorce sur la partie PAC 15, et comme le disait Clémence, deux territoires expérimentaux porteront les deux démarches conjointes pour justement voir leur complémentarité et évaluer. Le programme, il est donc éligible bien sûr au certificat d'économie d'énergie, et il va permettre d'apporter aux collectivités un financement qui peut aller jusqu'à 70% de leurs dépenses réelles. En fait, c'est un forfait qu'on vient apporter par ménage accompagné. Le forfait, il est calculé en fonction des modalités d'intervention de la collectivité. Pour aller un tout petit peu plus dans le détail, mais tout en restant synthétique, donc c'est en fait le SLIM, c'est quoi ? C'est un guichet unique qui va permettre de centraliser les signalements des ménages vers une plateforme et déclencher les visites à domicile pour réaliser un diagnostic socio-technique. Le tout, en fait, c'est d'encourager tous les acteurs du territoire à s'organiser pour leur proposer des solutions variées et adaptées. En fait, avec le SLIM, on va venir mettre en place tout ce qu'on appelle un réseau de donneurs d'alerte. Ça peut être des travailleurs sociaux, ça peut être des associations caritatives qui vont être au plus près des ménages et qui vont rencontrer ces ménages en précarité énergétique et qui vont pouvoir les faire remonter à la plateforme pour que la plateforme puisse d'une part réaliser une visite à domicile auprès de ces ménages, donc en regardant d'une part la situation, enfin les usages du ménage en termes d'énergie et d'eau, et également le bâti. Et une fois qu'on aura réalisé ce diagnostic socio-technique, on pourra orienter le ménage vers des solutions adaptées, que ce soit des travaux, que ce soit un réajustement de l'abonnement énergétique, ou alors il était éligible au chèque énergie, par exemple, mais il ne l'utilisait pas ou il ne l'a pas demandé. Ça peut être des choses comme ça. Je vais très rapidement faire un petit retour sur les outils qui sont à disposition des collectivités. Donc, on a notre hotline. Donc, on accompagne en fait les collectivités qui sont intéressées à monter un dossier. En fait, on a un appel à candidature, plusieurs appels à candidature annuellement. Donc, on reçoit des dossiers de candidature des collectivités. On a donc une hotline qui permet d'accompagner les collectivités dans le montage des dossiers, mais aussi de les accompagner pour enfin, les collectivités qui souhaiteraient avoir plus d'informations et qui seraient intéressées par la démarche. On a également une formation de diagnostic socio-technique qu'on coordonne. Donc, c'est une formation qui permet aux chargés de visite qui vont réaliser les visites à domicile d'être outillés pour mieux réaliser ce diagnostic. Elle est de 8 jours dans sa forme la plus complète, mais le parcours peut être différencié en fonction qu'on ait déjà des connaissances en énergie ou en sociologie. Parce qu'en fait, la formation diagnostic socio-technique, elle donne ces compétences-là, compétences sociologiques et compétences énergie. Et donc, il y a des parcours différenciés en fonction des connaissances de base. Ensuite, on a un logiciel de réalisation des visites à domicile qui s'appelle Solidiag. Donc, les collectivités vont nous faire remonter sur ce logiciel les ménages qu'elles ont accompagnés. Donc, il y a un double objectif derrière. Nous, ça nous permet de savoir combien de ménages ont été accompagnés et donc de venir financer les collectivités en fonction du nombre de ménages accompagnés. Comme je vous l'ai dit, c'est un forfait par ménage. L'autre objectif, c'est aussi de donner un outil aux collectivités pour le suivi des ménages et puis la possibilité d'exporter des données et puis de réaliser des rapports. On a également un séminaire annuel d'échange. Donc chaque année, on regroupe les collectivités, les partenaires opérationnels. Quand je dis partenaires opérationnels, ça peut être des ALEC, des espaces info-énergie, qui vont en fait, eux, réaliser les visites à domicile en coordination avec la collectivité. Donc, on a un séminaire annuel d'échange qui permet justement d'échanger les bonnes pratiques entre les collectivités et puis les partenaires opérationnels. Et celui-ci aura lieu justement dans quelques semaines, la deuxième quinzaine de décembre.
Et finalement, on a le site internet des SLIM, donc www.leslim.fr qui recense en fait une multitude d'informations, que ce soit des outils, des méthodologiques, des retours d'expérience des collectivités qui ont mis en place un SLIM et qui font des retours. On met en place aussi des webinaires. On aura un webinaire, je vous en parlerai juste après, dans quelques jours. Et on a aussi une foire aux questions pour toutes celles et toutes les collectivités qui souhaiteraient avoir plus d'informations. Et encore une fois, nous, de toute manière, on est au sein du CLER avec l'équipe qui est en charge du SLIM, on est tout à fait disponible pour accompagner les collectivités qui seraient intéressées. Et donc, je finirai simplement par cette diapo. D'une part, pourquoi rejoindre le SLIM? Parce que ça permet d'apporter des cofinancements pour les actions de lutte contre la précarité énergétique sur le territoire. Ça permet aussi de rejoindre un réseau d'acteurs, autant des collectivités que des partenaires opérationnels. Et ça permet aussi d'avoir une multitude d'outils, donc, notamment la formation diagnostique sociotechnique qui est donnée partout dans toutes les régions, il me semble. On a des structures formatrices un peu partout, réparties un peu partout en France. Et on a aussi le logiciel donc, dédié aux visites à domicile. Pour monter le dispositif, on a des ressources méthodologiques donc, qui sont accessibles sur le site internet du SLIM, notamment le guide méthodologique SLIM qui est très complet avec des retours d'expérience que je vous invite à consulter. On a un webinaire, donc c'est de ça que je voulais vous parler. Donc on a un webinaire qui s'appelle S'approprier le SLIM. En fait, c'est pour tous les territoires intéressés, enfin, que ce soit les collectivités ou les partenaires opérationnels, comme je le disais, les ALEC ou les espaces Infoénergie, qui souhaiteraient en savoir plus sur le SLIM et s'il y avait possibilité pour eux de le monter ou pas. Eh ben, je vous donne rendez-vous le 3 décembre 2020. Pour en savoir plus, et vous pouvez vous inscrire soit sur le site internet du SLIM, soit vous pouvez me faire un retour directement par mail sur le mail qui est affiché ici, et puis je pourrai vous inscrire à ce webinaire. Et enfin, comme je le disais, donc on a des dossiers, on a un appel à candidature, plusieurs appels à candidature par an. Le prochain sera donc en février 2021 et le dossier de candidature est déjà accessible en ligne sur le site internet du programme. Voilà pour moi, j'espère ne pas avoir été trop long. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation qui complète bien la première intervention de Clémence. J'avais une petite question. Le programme SLIM, il a été reconduit jusque quand? Alors, actuellement, on a donc une convention commune avec Amorce, donc le programme SLIM Pact, qui est actif donc depuis 1er janvier 2020 et qui sera jusqu'au 31 décembre 2021. Mais on est actuellement en train de discuter avec la DGEC de la potentialité de renouveler ce programme, sachant que le SLIM, il est comme je le disais, actif depuis 2013 et je crois depuis peut-être 2016 sous l'égide des programmes C2E. Donc on a un historique et on espère qu'il sera prolongé sur plusieurs années. Mais en tout cas, n'hésitez pas si vous le souhaitez. Revenir vers nous et déposer un dossier, même sur plusieurs années, même si pour le moment on n'a pas la validité on a seulement la validité jusqu'au 31 décembre 2021, mais n'hésitez pas à revenir vers nous et puis à déposer un dossier sur plusieurs années. Parfait. Eh ben, merci beaucoup pour cette présentation. J'enverrai évidemment le PowerPoint aux différentes collectivités présentes. Comme ça, chacun pourra avoir les différentes informations, notamment votre adresse mail et puis le lien vers le webinaire. Merci beaucoup. Je vais continuer. Donc maintenant, on va parler de mobilité décarbonée. Juste avant de faire la transition, je souhaitais remercier Amorce pour le compte Zoom qui nous permet aujourd'hui d'être présents tous ensemble. Donc merci à Amorce d'intervenir et puis également de mettre à disposition l'outil. Et donc, je passe... à la mobilité. Donc, comme vous le savez, les programmes C2E permettent aussi de financer des actions en faveur de la mobilité. J'espère que vous voyez bien mon écran. Donc, je vais rapidement balayer les différents programmes qu'on peut solliciter pour avancer sur la question de la mobilité en tant que collectivité. Je ne vais pas trop les approfondir,
Je vous laisserai aller chercher les informations supplémentaires si vous le souhaitez. Et en fin de présentation, on aura deux intervenants qui viendront nous présenter deux programmes. Voilà. Donc, je voulais commencer par le programme LICOV, donc ligne de covoiturage, qui permet en fait de financer la recherche et développement sur la question du covoiturage et qui fait du soutien à l'investissement et au fonctionnement des lignes de covoiturage. Et enfin, il y a possibilité de financer des actions de communication. Donc, ça a été pas mal développé en région Auvergne-Rhône-Alpes avec les villes notamment de Grenoble et Chambéry qui ont mis en place, par exemple, des arrêts covoiturage avec, avec des boutons où on peut indiquer aux automobilistes sur un écran que bah, voilà, on souhaite un ride un peu plus loin. Le budget global, c'est 10 millions d'euros. La date de fin, c'est le 31 décembre de l'année prochaine. Et je vous ai remis le site internet. Donc, n'hésitez pas à aller voir et puis éventuellement à candidater en tant que territoire. Vous avez également l'opportunité de financer un certain nombre de vélos assistance électrique avec Vélogistique, donc qui permet de financer des triporteurs, des biporteurs et des vélos assistance électrique un peu plus costauds pour effectuer les livraisons de dernier kilomètre ou même pour vous en tant que collectivité quand vous avez des salons, je pense notamment aux espaces Info Énergie, ou même des collègues qui font de la communication dans des offices de tourisme, etc. Vous avez une mise à disposition gratuite donc, d'un VAE. Donc aujourd'hui, il y a 1100 VAE qui peuvent être mis à disposition dans des entreprises. Donc n'hésitez pas à en faire la pub aussi dans vos territoires et dans des collectivités. Le budget est de 8 millions d'euros. La date de fin, c'est également le 31 décembre 2021. Et je vous ai remis le site internet pour pouvoir candidater et obtenir un VAE aussi dans votre collectivité. Vous avez le programme Mouebus, donc qui permet d'obtenir des primes pour l'achat de bus électriques, donc jusqu'à 30% du montant d'un bus dans la limite de 200 000 euros et 10% du montant des travaux d'électrification, notamment l'électrification des dépôts pour tout ce qui est borne de rechargement. Le budget global est de 36,5 millions d'euros. Et la fin du programme est prévue pour le 31 décembre 2021. Alors, j'ai demandé au programme, les bus hydrogène ne peuvent pas être financés par Mouebus. On est vraiment sur des bus électriques. Et il me semble que le Grand Nancy a profité notamment de primes Mouebus. On peut le voir sur le site internet de Vertigo Énergie. Voilà. Donc, n'hésitez pas à solliciter. Effectivement, là, on parle déjà de plus grosses collectivités, pas forcément des petites, mais même si les minibus électriques sont également éligibles. Ensuite, vous avez le programme Ovélo Good Watt, donc qui permet de financer de la sensibilisation, des interventions, une application mobile pour les différents collaborateurs des entreprises et collectivités, et avec à la clé le prêt d'un vélo assistance électrique pour 25 salariés pendant un mois. L'idée étant de faire changer les habitudes de mobilité sur le domicile-travail pour les salariés, donc pour 25 salariés. Le coût est d'environ 3500 euros hors taxe pour la structure. Donc, ce n'est pas gratuit, c'est gratuit pour le salarié. Il n'a pas besoin de payer l'allocation, mais c'est payant pour la structure. Le budget est de 7 millions d'euros et la fin du programme, c'est le 31 décembre 2022. De la même manière, je pense que ça peut être intéressant pour des entreprises en périurbain, etc., donc des collectivités peut-être un peu plus petites ou même des grandes collectivités. Donc, n'hésitez pas à le présenter aux différentes entreprises ou voire même dans vos collectivités. Ensuite, il y a Colis Active, donc, qui permet en fait de financer le surcoût de la livraison à vélo. Donc, il y a un certain nombre de territoires qui ont candidaté. Et il me semble que le Grand Reims fait partie des territoires lauréats. Ça permet pour les entreprises de logistique d'avoir une petite prime pour financer la livraison à vélo plutôt qu'en véhicule thermique. Donc, ça s'adresse plutôt à des territoires urbains denses. N'hésitez pas à candidater si vous le souhaitez. Donc, le budget, c'est 4 millions d'euros et la fin du programme, c'est fin 2022. Ensuite, vous avez Interlude qui permet de la concertation sur des chartes de mobilité et de logistique en entreprise. Et donc là, le
on est vraiment plutôt sur un aspect mise en commun, concertation, que vraiment sur du financement de hard au niveau des infrastructures. Donc le budget, c'est 8 millions d'euros. La date de fin, c'est le 31 décembre 2022 et vous avez le site internet. Et ensuite, je vais passer la parole à Olivier Ezrim de la région qui va vous présenter le programme Advenir et la possibilité de financer des bornes de recharge de véhicules électriques. Olivier, es-tu là? Olivier, je ne t'entends pas. Allô, allô? Oui, c'est bon. Donc voilà, je partage l'écran d'ordinateur. Est-ce que c'est bon pour vous également? Oui, c'est bon. C'était bon. Donc alors, donc on souhaitait vous présenter le programme Advenir, même si la région n'est pas le porteur direct de ce programme. Donc j'espère que les services du ministère de la Transition énergétique, de l'ADEME, de l'AVER et même d'EcoCO2 ne nous en voudront pas pour cette présentation. Alors, Advenir, c'est pour aide au développement des véhicules électriques à de nouvelles infrastructures de recharge. Je vous invite à bien noter le terme « nouvelle », car ça indique directement une exclusion sur un certain programme de renouvellement des bornes. Alors, Advenir, très rapidement, ça a été créé en 2016, vraiment dans le but d'installer et d'aider au développement des infrastructures de recharge. Il offre un bouquet d'aides financières assez important en fonction de l'endroit où vous souhaitez installer les bornes. Donc, vous pouvez les installer soit en voirie, soit directement en entreprise ou même, dans certains cas, dans les copropriétés. Ce programme permet vraiment de prendre en charge l'ensemble du matériel et de l'installation en aval du point de livraison, c'est-à-dire les coûts de raccordement ne sera pas pris en charge dans cette aide, mais ça permet quand même de financer l'ensemble du matériel et d'éventuellement l'achat de bornes. Advenir devait s'arrêter en 2020, mais il a été reconduit pour la période 2020-2023 avec une enveloppe budgétaire de plus de 100 millions d'euros, avec un objectif de 45 000 nouveaux points de charge d'ici la fin 2023. Donc, c'est plutôt intéressant. Sont éligibles au programme Advenir, donc les points de charge. Donc vous remarquerez aussi que le programme Advenir ne parle pas en bornes, mais parle en points de charge. Et donc, on pourrait identifier que certaines bornes ont plusieurs points de charge. Donc, les points de charge installés en habitat collectif, les points de charge installés sur les parkings d'une entreprise ou d'une personne publique ouverts à la flotte, les points de charge sur des espaces privés, dans les espaces publics, et vous pouvez retrouver l'ensemble des cahiers des charges suivant le type de parking que vous visez sur le site advedir.mobi. Donc, c'est le site internet du programme. Par contre, ne sont pas éligibles, donc comme pour toute subvention, les projets dont la date de lancement ont été antérieure à la date de labellisation de l'offre sélectionnée. Les remplacements de points de charge existants, donc là, c'est les nouvelles infrastructures de recharge du nom qui l'impose. Et enfin, les installations de points de charge en maison individuelle. Pour les maisons individuelles, il y a un crédit d'impôt pour ça. Je vous ai mis dans le PowerPoint que dans la présentation, Benjamin vous présentera les différents taux d'aide. Donc, les taux vont être dégressifs jusqu'à 2023. 2021 et 2020, c'est plutôt très intéressant. On ne va pas revenir dessus, mais n'hésitez pas à vous rapprocher des différents contacts qu'on vous donnera en fin de présentation pour éventuellement étudier votre projet. Voilà, et donc maintenant, bénéficier des C2E de ce programme. Donc, il faut d'abord avoir une offre labellisée, c'est-à-dire différents installateurs de bornes ont candidaté et ont reçu une labellisation Advenir qui permet de bénéficier des offres C2E, c'est-à-dire un installateur qui vient vous installer une borne mais qui n'a pas d'offre labellisée, vous ne pourrez pas avoir ce financement Advenir. Donc, de même par prolongation, pour les collectivités, des installations en régie, c'est non éligible également. Alors, une fois que vous sélectionnez votre offre labellisée, vous pourrez faire
une demande de prime. Donc, soit la collectivité, l'entreprise ou la personne qui installe, qui souhaite faire installer la borne pourra faire le dossier, mais Advenir, les porteurs du programme Advenir incitent fortement pour que l'installateur monte directement le dossier. Donc, c'est toujours plus facile et ça vous fera juste, l'installateur touchera la prime et il vous fera un prorata sur la facture et vous aurez juste à payer le reste à charge. Le montant correspondant à la demande est réservé pour une durée de 6 mois, c'est-à-dire une fois que vous avez déposé le programme, la demande d'aide, vous avez 6 mois pour demander la prime. Pour obtenir la prime, suivant si c'est vous ou si c'est l'installateur, donc il y a différents documents à fournir et ça se fait directement en ligne avec la facture, avec des éléments à fournir pour analyser le projet, l'attestation sur l'honneur de fin de travaux, des photos, des informations bancaires, des choses assez classiques pour une demande de versement d'aide. Et tout sera fait de façon informatisée et c'est assez simple et rapide. Et si par contre vous avez un projet qui est abandonné, il est bien évidemment possible de supprimer la demande de prime sur Advenir, il n'y a aucun souci. En parallèle de l'aide Advenir, la région Grand Est a développé également des aides sur trois types d'installations, donc c'est-à-dire sur les bornes de recharge en voirie publique, sur les bornes de recharge sur parking d'entreprise et sur en résidentiel collectif. Alors, c'est une aide également au point de charge pour l'ensemble des installations, sauf pour les bornes rapides sur voirie publique, où on aide directement un prix forfaitaire à la borne. Pour le dispositif voirie publique, le périmètre des agglomérations de plus de 100 000 habitants est exclu. Et pour le parking d'entreprise, ce qui est important à identifier, c'est que l'objectif est de faciliter la mobilité des habitants du Grand Est. Donc, les bornes doivent être essentiellement destinées à la recharge des salariés. Par contre, la région autorise la recharge des flottes captives dans des périodes de nuit ou lorsque les salariés n'ont pas besoin de la recharge. Donc, pour vous accompagner sur la mobilité électrique, nous avons vous avez deux possibilités d'accompagnement au niveau du Grand Est. Il y a Grand Est Mobilité Électrique, qui est une association qui est membre de l'AVER et qui rassemble l'ensemble des acteurs de la mobilité électrique, de l'installateur jusqu'à l'utilisateur. Donc, n'hésitez pas à contacter Caroline pour avoir des informations sur le programme Advenir et même sur la mobilité électrique en général. Et enfin, la région Grand Est, avec ses maisons de région, a un interlocuteur proche de chez vous pour également répondre à vos interrogations et à vos projets d'installation de bornes électriques sur votre territoire. Et donc, on vous remettra la carte avec les différents éléments et les contacts que vous pouvez solliciter avec grand plaisir. J'ai fini ma présentation, Benjamin. Je te rends la main. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Exactement, il y a une question. Je ne sais pas si tu arrives à la voir, de Virginie, sur la nature d'un parking. Alors, le parking... Alors, le parking, il sera destiné à des salariés ou sera destiné à tout le monde. Donc, s'il est destiné uniquement aux salariés de la pépinière d'entreprise, il sera considéré comme parking de salariés. Par contre, si c'est un parking qui est ouvert à tout le monde et que tout le monde peut venir se recharger, il sera considéré comme sur voirie publique. Parfait. Eh bien, merci pour ta réponse et merci pour la présentation, Olivier. Donc voilà, si vous avez des questions, vous avez les contacts dans le document que je vous transmettrai. Parfait. Et on va enchaîner directement avec le programme Alvéole. Donc, je vais demander à Anne-Laure Béguet de Roseau, Eva Pénisson de la FUB et puis Isabelle Heitz de nous rejoindre. Est-ce que Anne-Laure, vous êtes là ? Bonjour, je suis là, oui. Parfait. Vous avez une présentation ? Tout à fait, je vais vous la présenter. Parfait. Bonjour à tous. Bonjour. C'est bon, vous voyez mon écran ? Ça arrive, c'est parfait, on le voit. Super.
Donc, bonjour à tous, je suis Anne-Laure Béguet de Roseau et je vais vous présenter donc, le programme Alvéole qui finance l'installation d'abris vélo donc, à destination notamment des collectivités publiques. Le programme est porté donc, ensemble par Roseau, donc, un bureau d'études spécialisé en performance énergétique et expert en certificat d'économie d'énergie. On réalise le suivi technique avec les bénéficiaires et le suivi financier. Et on travaille en partenariat avec la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, qui fédère 400 associations de promotion du vélo sur l'ensemble du territoire et qui, pour le programme, travaille à la mise en relation des associations avec les bénéficiaires et au suivi de l'accompagnement à l'écomobilité. L'objectif du programme Alvéole, c'est de faciliter la création de 30 000 nouveaux emplacements de stationnement vélo couverts, donc, et de sensibiliser 18 500 personnes à l'écomobilité. On a un programme qui a été lancé par un arrêté le 9 février 2019. Donc pour être éligible, il faut que les travaux d'installation d'abris aient été engagés après, c'est-à-dire le lancement du marché ou la signature du devis s'il n'y avait pas de marché. Le programme a été prolongé jusqu'à fin décembre 2021. Donc, vous avez jusqu'au 12 novembre 2021 pour réaliser les travaux et transmettre le dossier pour pouvoir bénéficier de la prime. À côté de. Donc, le programme finance 60% de l'investissement hors taxe pour l'installation d'abris et d'attaches vélo. Et il finance également pour les bénéficiaires qui ont eu une prime pour l'installation d'un abri, des actions de sensibilisation à l'écomobilité, qui sont menées par une association membre de la FUB, et l'association est rémunérée directement par le programme, qui prend en charge 100% de la participation de l'association, donc il n'y a pas d'avance de frais sur cette partie. Au niveau du financement des abris, il est tout à fait possible d'avoir un cofinancement, c'est à vous de vérifier que vous respectez donc, les règles de comptabilité auxquelles vous êtes soumis. Et nous, on ne peut pas adapter le pourcentage de 60%, par contre, on peut prendre 60% du reste à charge si vous avez une autre subvention plus intéressante. Il est possible de déposer un ou plusieurs projets, et il n'y a ni nombre minimum de places de vélo dans les abris, ni nombre maximum. Donc le programme a plusieurs cibles pour les installations d'abris. Donc, en premier, les établissements publics, les collectivités locales, qui peuvent installer auprès de leurs bâtiments de bureaux, par exemple, ou bien sur la voie publique. Tout ce qui va être secteur de l'enseignement, donc les écoles du primaire, maternelle primaire jusqu'au supérieur. Le parc d'habitat social, donc les bailleurs sociaux peuvent faire installer envers une résidence de logements sociaux. Et enfin, tout ce qui va être gare et pôle d'intermodalité. Les structures éligibles au programme, donc qui peuvent recevoir la prime, c'est d'une part tous les acteurs publics, personnes morales de droit public, donc que ce soit collectivité territoriale, EPCI, administration publique, vraiment tout ce qui est de nature publique va être éligible. Pour les acteurs privés, il faut que leur activité soit en relation avec une des cibles dont je viens de parler. Donc, un acteur privé qui est délégataire d'un service public de transport, par exemple, un bailleur social pour les résidences de logement social, une association qui veut faire installer pour la résidence de logement étudiant qu'elle gère, et tout ce qui va être enseignement privé. Sur notre site internet, on a mis à disposition une liste complète de bénéficiaires éligibles. Si jamais vous n'êtes pas dedans, par rapport à ce que je dis, ça vous paraît surprenant, il est tout à fait possible de demander un cas particulier en envoyant, par exemple, le numéro de siret de votre structure par email. Donc, on finance à la base des abris vélos. Donc, il y a trois types d'abris qui vont être éligibles. Donc, avec à chaque fois le financement qui est plafonné en fonction du type d'abri et du nombre de places qu'il y aura dans l'abri. Le premier type d'abri qui est éligible, ça va être ce qu'on appelle une consigne sécurisée, donc qui peut être collective, où on va garer tous les vélos à l'intérieur de du même abri, ou bien individuel, un vélo va dans un box. Dans ce cas-là, le financement, donc c'est 60% de l'investissement hors taxe pour le matériel et la pose, dans la limite de 2000 euros de prime versée par place de stationnement qui est créée par cet abri. On finance également les abris ouverts, un abri libre d'accès en extérieur, comme vous le voyez en numéro 2. Donc, dans ce cas-là, le plafond est de 700 euros maximum de prime versée par place de stationnement créée.
Et enfin, on peut tout à fait prévoir de réutiliser un local qui est déjà existant, d'y installer des attaches VOOF, éventuellement de renforcer la sécurisation. Et dans ce cas-là, la prime est de 200 euros maximum par place de stationnement qui va être créée. Pour pouvoir être éligible, bien sûr, il y a un certain nombre de critères obligatoires qu'il faut respecter. Le premier étant que les attaches vélo doivent permettre d'attacher le cadre et la roue du vélo à un point fixe, sans soulever le vélo si c'est un système à étage. Typiquement, ça va être les attaches du type arceau, comme ce qu'on voit là sur la gauche de l'écran. Et un arceau de ce type, par exemple, on le compte bien pour deux places de stationnement vélo, puisqu'on peut en garer un de chaque côté. Au contraire, tout ce qui va être étrié où on garde juste la roue avant du vélo n'est pas du tout éligible au financement par alvéole. Donc ça, c'est vraiment commun à tous les types de projets que vous pouvez avoir qui pourraient être financés par alvéole. Ensuite, les autres critères dépendent du type d'abri. Donc, tous les abris doivent être évidemment couverts. Le système de rangement des vélos doit être fixé, donc au mur ou au sol. Et l'espace de stationnement doit être protégé des autres espaces par une paroi ou un garde-corps. Si vous êtes dans le cas d'une consigne collective, par exemple, dans lequel le vélo est à l'intérieur de l'abri, ce critère est rempli par les parois extérieures de l'abri. Pour les consignes sécurisées, pour les locaux existants, il faut un accès sécurisé, que ce soit un badge, une clé, tout autre mode de contrôle. Il faut respecter les normes d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, donc au niveau de la largeur des accès, des circulations, de l'absence de marche et de ressauts. Et enfin, pour tous les abris dans lesquels on rentre, il faut que l'espace soit éclairé. Quand c'est un abri qui est ouvert, quand on rentre dedans, on n'est pas enfermé dans l'abri. On peut être éclairé par un éclairage public à proximité, ça pourrait également fonctionner. Depuis le début du mois de mai, on a également une offre spéciale donc limitée dans le temps, le coup de pouce vélo stationnement, qui permet de financer des attaches vélo qui ne seront pas couvertes, donc posées en extérieur. Pour ça, c'est vraiment une offre qui est limitée dans le temps, donc il faut que le projet ait été engagé après le 30 avril 2020 et qu'il soit terminé avant le 31 décembre 2020. On a rallongé la date qui est annoncée sur le PowerPoint, donc vraiment, si le projet peut être terminé et les documents transmis avant le 31 décembre, vous pourrez bénéficier de la prime. Donc, c'est toujours le support d'attache doit permettre d'attacher le cadre et la roue du vélo à un point fixe avec un anti-volant U, sans porter le vélo. Donc, quand on dit sans porter le vélo, il ne faut pas que le cycliste doive vraiment soulever l'intégralité du poids du vélo lui-même. Il faut qu'il y ait un système d'assistance, un vérin hydraulique, par exemple. Dans le cadre du coup de pouce vélo, on peut financer soit des systèmes qui sont fixés au sol, comme dans le cadre des abris, soit des systèmes qui vont être temporaires et maintenus au sol d'une façon simple, en fait, sans travaux de gros œuvres, avec des blocs de béton, quelque chose de lesté, un simple scellement chimique. Ça, c'est, les deux sont possibles pour le coup de pouce. On finance toujours 60% de l'investissement hors taxe. Le plafond, c'est 150 euros par place de stationnement créé. Le coup de pouce étant créé dans le but de, il a été fait dans le but d'aider les collectivités à installer un grand nombre de stationnements au moment du déconfinement pour faciliter la pratique du vélo dans le contexte sanitaire. On ne finance donc pas de services complémentaires, le but étant de repérer plutôt l'idée de base était de repérer les endroits où il y a besoin de ce stationnement, de les mettre en place rapidement, pour éventuellement évoluer ensuite vers un stationnement plus pérenne et plus couvert, plus qualitatif. Donc, on ne finance pas le service complémentaire, type s'il y a une pompe à vélo ou ce genre de choses. Et l'accompagnement qui est proposé avec les abris n'est pas proposé avec les stationnements non couverts. Ensuite, on a un exemple d'un projet qui a été financé, donc qui a été déposé par la ville de Lille. Donc, ils ont installé des box à vélo sécurisées qui font 5 places chacun sur la voie publique. Ils avaient au départ une série de 14 box à installer pour lesquelles on a traité les dossiers et versé les primes. Ils sont revenus depuis avec plusieurs autres séries de box. Ils ont identifié d'autres endroits avec des besoins. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible de faire d'abord un projet, de revenir plus tard avec un autre parce qu'il y a plus de besoins. Au niveau du financement, on va vraiment financer tout ce qui s'assimile à l'achat et la pose du matériel, donc achat de l'abri, des arceaux, la livraison et la pose, les luminaires à l'intérieur de l'abri, par exemple.
dans le cadre d'un abri, tout ce qui va être service complémentaire, casier, station de gonflage, de réparation, des supports de communication, des bornes de recharge pour les vélos électriques. On va également financer le système de serrure, que ce soit des serrures à proprement parler ou bien un digicode, un lecteur de badge. Dans le cadre d'une consigne sécurisée, globalement, ce qu'on finance, ça s'apparente à ce que le fournisseur propose dans le cadre d'un kit consigne. En revanche, on n'a pas le droit de financer tout ce qui va être gros œuvre, même si c'est nécessaire à la mise en place de l'abri. Typiquement, une dalle béton, des travaux paysagers du type à plein milieu au sol, on ne va pas les financer. On ne peut pas non plus financer le raccordement au réseau, que ce soit eau ou électricité, ou bien un basilisage, un cheminement, une signalisation pour rejoindre l'abri. Et dans le cadre d'une consigne sécurisée, ce qu'on ne peut pas financer, c'est le système de gestion de la solution. C'est-à-dire, par exemple, vous avez un lecteur de badge, l'abonnement au système qui gère les badges qui permet qu'ils soient actifs. Ça, c'est des choses qui sont pas prises en charge. Et donc, dans le cadre de la création d'un abri vélo, on propose toujours un accompagnement des usagers à l'écomobilité que va vous présenter Eva Pénisson de la FUBA. Bonjour à tous et à toutes. Alors du coup, je vais vous présenter le volet accompagnement à l'écomobilité. Comme l'a dit Anne-Laure au début de cette présentation, le volet accompagnement, il est 100% pris en charge dans le cadre du programme Alvol. Donc vous, en tant que collectivité, vous n'avez absolument rien à dépenser. La prime, elle est versée à l'association une fois que les actions de sensibilisation sont terminées. Les actions de sensibilisation, elles sont uniquement menées par le réseau d'associations de la FUB et elles sont menées une fois que le projet de stationnement il est implanté sur le territoire. Donc vous l'aurez compris, en fait, pour bénéficier du volet accompagnement, il faut impérativement avoir un projet de stationnement. Donc il y a deux types d'accompagnement à l'écomobilité. Le premier type, ça va être l'accompagnement obligatoire. Ça se concrétise par une initiation au savoir rouler. Donc dès lors qu'il y a un projet de stationnement qui est déposé dans une école élémentaire, ou à proximité, hein, s'il n'y a pas de place dans l'école, mais que le projet de stationnement il est à destination des élèves, donc ça va être l'initiation au savoir rouler qui va s'appliquer. Donc concrètement, ce sont des séances de huit séances d'une heure, qui est financée donc à hauteur de 1 620 € pour l'association. Donc nous, on n'a pas de visibilité sur le nombre d'élèves qui va être accompagné et du nombre de classes. Ça va vraiment dépendre de l'association avec laquelle vous serez mis en relation sur le territoire. Donc et puis du nombre de bénévoles qu'elle va pouvoir mobiliser ou de moniteurs. Donc voilà, nous concrètement, comment ça fonctionne. Une fois que vous avez déposé votre projet de stationnement et que votre dossier il est validé et que vous arrivez aussi à terme, c'est-à-dire que le dossier de stationnement il est bien implanté et que vous êtes à la fin des travaux, nous, on va se charger de contacter une association sur votre territoire et de lui proposer cet accompagnement. Et ensuite, on vous mettra en relation avec elle pour organiser le module et le calendrier de mise en œuvre. Donc ça, c'est le premier accompagnement qui est obligatoire. Et ensuite, le deuxième accompagnement, il est optionnel. Donc ça va se concrétiser par 12 heures d'action de sensibilisation sur le territoire. Parmi ces actions de sensibilisation, ça peut être par exemple la mise en place d'un atelier d'autoréparation, la mise en place de marquage de gravage bicycode. Donc toutes les actions sont possibles et imaginables. Ça va vraiment dépendre de l'association avec laquelle vous serez mis en relation et de votre souhait aussi, de ce que vous souhaitez mettre en place comme type d'action. Donc je ne l'ai pas dit au début, mais un projet de stationnement ouvre droit à un module d'accompagnement. Donc un module, c'est un projet, c'est soit 12 heures d'action de sensibilisation, soit 8 heures dans le cadre des écoles. Donc ça va, enfin le nombre de projets que vous aurez, ça va dépendre du nombre de projets de stationnement que vous allez déposer. Ça va pas être en fonction du nombre de stationnements que vous allez déposer. C'est un projet de stationnement ouvre droit à un module d'accompagnement. Bien évidemment, il faut qu'il y ait une association qui soit disponible sur votre territoire et membre de la FUB pour bénéficier de cet accompagnement. Donc, vous avez aussi un catalogue d'actions de sensibilisation sur le site du programme Alvéole qui vous donne un peu une idée des types d'accompagnement qui peuvent être mis en place. C'est tout à fait possible d'aller au-delà, c'est vraiment très adaptable
en fonction de, toujours de votre souhait et de ce que l'association en local peut proposer. Et vous avez aussi des retours d'expérience d'accompagnement qui sont dans la rubrique actualité du programme Alvéol. Je repasse la parole à Anne-Laure et puis je vais répondre aux questions si jamais il y a. Donc pour la mise en place du programme et pour s'inscrire, on fait tout à travers notre plateforme internet du projet, donc c'est notre site internet qui est à la fois un site vitrine qui reprend toutes les informations du public disponibles sur le programme. Il y a un simulateur de prime qui peut vous donner une première estimation de la prime à laquelle vous pouvez prétendre. Il y a un catalogue de solutions éligibles prévalidées qui reprend des solutions qu'on a déjà rencontrées et qu'on sait qu'elles sont éligibles. Bien sûr, du moment que les critères sont respectés, n'importe quelle autre solution peut être validée. Il y a également des statistiques publiques sur l'état du programme et une carte de projet réalisé. Puis ensuite, il y a toute une partie espace personnel sur laquelle vous pouvez créer votre compte et déposer un ou plusieurs projets, ce qui vous permet de suivre facilement les différents projets que vous avez en cours. Il y a une messagerie interne pour communiquer avec l'équipe qui gère les projets, et c'est vraiment votre espace personnel pour gérer les différentes demandes. Pour déposer le projet, donc dans un premier temps, sur le site, on peut tester son éligibilité ou se connecter. Et à ce moment-là, si vous pouvez créer votre compte, donc on vous demande des informations génériques concernant votre structure, quel type de structure vous êtes, votre numéro tiré. Une fois que votre projet est un petit peu déterminé, vous pouvez déposer un projet ou plusieurs. Pour enregistrer un projet, il faut savoir le type d'abri choisi, le nombre d'emplacements, à quelle adresse vous allez l'installer. Avec ces éléments, sur la base de ces éléments, donc Roso étudie le dossier et donne une première réponse. Et donc, si sur le principe le projet est éligible, on vous demande de transmettre votre devis que vous pouvez toujours importer directement par la plateforme. On étudie le devis, on vérifie que tout est éligible et on vous envoie à ce moment-là une simulation de la prime qui correspond exactement au devis que vous avez transmis. À ce moment-là, vous pouvez engager les travaux, installer votre abri. Et vous revenez sur la plateforme une fois que l'abri est terminé pour importer les documents justificatifs demandés ainsi que les coordonnées bancaires. Au niveau des justificatifs, on demande la facture qui doit porter un certain nombre de mentions obligatoires, dont l'adresse d'installation de l'abri. Il y a une déclaration sur l'honneur, c'est un document qui est à télécharger dans votre espace personnel et à signer. Il faut de nouveau retourner en original après l'avoir envoyé sur la plateforme. On a besoin de photos de l'abri terminé, bien sûr, et de la preuve d'engagement, donc de votre devis signé ou de votre don commun. Vous avez fait également un petit état des lieux du programme en chiffres. Donc actuellement, on a un petit peu plus de 1000 projets en cours, ce qui correspond à 20 270 emplacements. Sur ces emplacements, il y en a 3579 qui ont été réalisés, qui ont été payés, qui ont versé la prime. Pour le coup de pouce vélo, donc les stationnements non couverts, il y a 316 dossiers et 1785 emplacements qui ont déjà été terminés, qui ont été payés. Je vais redonner la main à Eva qui va vous présenter également le coup de pouce vélo plus, qui est une autre possibilité à destination des collectivités. Merci Anne-Laure. Donc avant de laisser la parole à Madame qui va vous présenter un retour concret du programme Alvéol. Je vais rapidement vous présenter Coup de pouce Vélo Plus, qui est à destination des collectivités. Donc, vous avez entendu sûrement parler du Coup de pouce Vélo et de ses différents volets qui ont été lancés donc, en mai dernier. Donc, Anne-Laure, vous avez présenté le coup de pouce vélo. Mais il y a également eu le coup de pouce vélo réparation, donc avec une prime de 50 euros offerte aux particuliers. Auprès des réparateurs référencés et un cours de vélo, une séance de remise en selle, également auprès des particuliers pour réapprendre à se positionner sur la route et à faire du vélo avec les nouvelles règles du code de la route. Donc voilà, suite à ce coup de pouce vélo, on a eu pas mal de retours de collectivités sur leur souhait d'abonder le dispositif coup de pouce vélo existant. Parce qu'elle voulait participer en fait à ce programme national. Et donc, en octobre dernier, on a lancé le coup de pouce Vélo Plus. Donc, la plateforme est opérationnelle et ça permet donc, comme je disais, aux collectivités et à tout autre cofinanceur, donc ça peut être également des bailleurs, des employeurs, donc d'abonder le dispositif coup de pouce vélo existant sur les volets réparation. Donc, ça va être via une prise en charge supplémentaire
des 50 euros qui sont versés. Donc, par exemple, la collectivité elle peut très bien décider de prendre en charge la TVA ou une aide supplémentaire de 20 euros sur la facture existante. Ça peut être également une prise en charge d'une séance de remise sensuelle supplémentaire dans le cadre qui a été faite du coup dans le cadre du coup de pouce. Au-delà de celle qui a été faite pardon, dans le cadre du coup de pouce vélo remise en selle, ça peut être la prise en charge de la TVA. Et ça peut être également prendre en charge des, comment dire, du matériel vélo tel que des antivols, des vêtements pour faire du vélo. Ça peut être au-delà du coup de pouce vélo existant. Donc concrètement, comment ça marche Alors, est-ce que tu peux passer à la slide juste après? Donc le cofinanceur, donc, ce qu'on appelle cofinanceur, c'est la collectivité, elle s'inscrit sur le site Coup de pouce Vélo Plus. La FUB donc, va contacter le cofinanceur et va lui faire une petite formation pour expliquer le fonctionnement de la plateforme aux agents. Et suite à cette formation, on va valider votre compte cofinanceur. Parallèlement, le particulier, il va s'inscrire sur le site Coup de pouce Vélo Plus. Il va, à l'aide de ses identifiants qu'il aura eu dans le cadre de Coup de pouce Vélo Classique, il va pouvoir sur son compte intégrer des pièces justificatives demandées, donc sa pièce d'identité, son RIB, son justificatif de domicile, pour prouver tout simplement au cofinanceur qu'il habite bien sur le territoire. Et ensuite, le particulier, il va pouvoir faire une demande de remboursement. Ensuite, sur son compte, le cofinanceur, il va accéder aux pièces justificatives et aux factures du particulier. Il pourra valider ou non la demande de remboursement. Donc voilà, c'est une plateforme qui est gratuite à destination des collectivités et des particuliers pour faciliter l'abondement supplémentaire. Donc là, aujourd'hui, on a déjà 2-3 collectivités qui sont inscrites sur Coup de pouce Vélo Plus. On a la Mayenne, le conseil départemental de la Mayenne et la métropole de Rouen. Qui participent au dispositif. Voilà pour la parenthèse sur Coup de pouce Vélo Plus, je la referme et je laisse la parole à Madame Hayes qui va vous faire un retour d'expérience. Peut-être avant le témoignage, il y avait des questions un peu techniques, oui. Donc si on peut voilà, les traiter. Il y avait une première question qui concerne les travaux, est-ce qu'ils peuvent être réalisés en régie ou pas, les travaux de Alvéole? Oui, tout à fait. C'est tout à fait possible de prévoir une installation en régie. Pour qu'il soit financé, il faut que le service soit à même d'émettre le devis et la facture conforme. Et sinon, ça peut être pris en compte et pas financé. On prend en compte que l'achat de la brique et des arceaux. Mais là, c'est tout à fait possible. D'accord. Merci. Il y avait une question sur l'éligibilité d'un abri qui a été mis en place en mars 2019. Est-ce qu'on peut encore demander l'argent aujourd'hui? Il faudrait que bah déjà qu'il n'ait pas, qu'il soit pas lié à un marché d'avant le 9 février, qu'il respecte les critères, évidemment, et pouvoir transmettre les documents justificatifs conformes qui correspondent aux besoins du programme. Sur le principe, ça peut être possible. Et est-ce qu'une collectivité peut demander Alvéole et Coup de pouce Vélo? Alors, je n'ai pas bien compris la question, mais la question, c'est est-ce valable pour les collectivités également? Donc, j'imagine que c'était Alvéole et... Alvéole, c'est effectivement uniquement destiné la partie financement des abris et des arceaux, c'est à destination, entre autres, des collectivités. Donc, ça, elles sont tout à fait éligibles. Et pour la partie Coup de pouce Vélo Plus, en fait, c'est la collectivité, dans ce cas-là, qui va financer auprès du particulier. C'est pas eux qui vont recevoir. C'est ça. Donc, c'est bien la collectivité qui finance, hein, dans Coup de pouce Vélo Plus. Dans Coup de pouce Vélo Plus, oui. Voilà. OK. Et la question, c'est pour son compte. Alors, j'ai pas bien compris. La plateforme, elle est prise en charge, en fait. Pour vous, c'est une plateforme qui est gratuite. On vous la met à disposition pour que vous puissiez les traiter, les subventions supplémentaires. D'accord. Je n'ai pas trop compris la question de M. Pellegrini, donc si vous pouvez... Alors, si la collectivité installe des équipements pour ses agents. Donc là, je pense qu'on est de retour sur Alvéole. Donc, exactement. Oui, ça c'est tout à fait possible. En tant qu'une collectivité publique, peut faire une demande soit pour des abris qui sont destinés au grand public, aux visiteurs d'un établissement public ou sur la voirie, ou bien également réservés aux agents de la collectivité. OK.
Parfait, merci. Et il y avait une question aussi sur est-ce que c'est possible dans un bâtiment neuf, donc une école qui se construirait, est-ce qu'on peut financer un abri vélo ou est-ce qu'on peut demander de financer l'abri vélo de l'école qui est nouvellement construite ? Pas si c'est dans un local existant, parce que la construction effectivement doit avoir plus de 2 ans. Deux ans du programme. Par contre, si c'est à proximité de l'école, ça c'est possible, à condition qu'il n'y ait pas d'obligation par le PLU de mettre des stationnements vélos dans l'école. Ok, parfait, merci. Et ben voilà, et je rembobine un petit peu le webinaire parce qu'il y avait une intervention de monsieur le maire qui nous disait qu'il y avait un programme qui s'appelle À côté et qui permet également de faire du financement sur des lignes de covoiturage. Donc voilà, je le dis ici, donc n'hésitez pas aussi à aller fouiller le programme À côté en complément du programme Nikov. Et je reviens à Alvéole pour le témoignage d'Isabelle Heitz de la ville d'Ilkirch. Merci. Alors, Isabelle, est-ce que vous êtes là? Oui. Madame Heitz, je ne vous entends pas. Okay. Eh bien, écoutez, on va passer à la suite. Je ne sais pas si Madame Heitz est connectée ou pas. Ouais. Vous avez votre micro qui est coupé, Madame Heitz. Oui, normalement votre micro est activé, mais je ne vous entends pas bien. Okay. Bon, ce que je vous propose de faire, c'est de passer à la suite. Et Madame Heitz, quand vous avez la possibilité de parler, n'hésitez pas, on reviendra un petit peu en arrière pour votre retour d'expérience. Ça va comme ça ? Alors, je vous propose de passer à la suite. Donc, on va passer maintenant à la question du bâtiment. Alors, des économies d'énergie dans le bâtiment. Voilà. Donc, avec deux programmes, le programme ProSmen qui permet de financer, en fait, d'atteindre le niveau ISO 50001 pour les bâtiments d'une collectivité. Et donc là, il y a une prime de 40 000 euros ou de 20% des dépenses énergétiques. Et ça permet également de financer de l'information et de la mise en réseau pour faire des retours d'expérience. Le budget est de 20 millions d'euros et la date de fin du 31 décembre 2022. Vous pouvez consulter les informations sur le site prosmn.org qui est également ici. Et je vais passer la parole à Adrien Serougne de la FNCCR qui va nous présenter le programme ACTE, donc qui est un programme tout chaud et avec un AMI en cours. Adrien, es-tu là ? Oui, je suis là. Je vais juste tenter également de joindre Isabelle. Est-ce que Isabelle, vous arrivez à entrer en contact avec nous avant ? Non ? Ok, bon. Bah, Adrien, je vous laisse continuer. Voilà. Entendu, très bien. Peut-être que je vais un partage d'écran. Oui. J'ai combien de temps ? J'ai une dizaine de minutes, ouais, c'est ça ? Oui, exactement. 10 minutes, on a un peu de retard. Il y a pas mal d'intervenants, donc on a pris une petite dizaine de minutes de retard, mais ce n'est pas grave. On va prendre notre temps. Voilà. Je vais faire au mieux. Voilà, tu as un petit quart d'heure. Ça marche. Tout d'abord, merci. Merci de me recevoir. Donc, je vais vous présenter le programme ACTE. ACTE, c'est un acronyme, Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique. Mais ça va au-delà, c'est aussi la mise en place d'actions concrètes qui permettront à terme de rénover le patrimoine public bâti des collectivités.
Donc ça, c'est son premier objectif. Puis ensuite, il a un deuxième objectif, c'est substituer les énergies fossiles par des systèmes énergétiques de récupération et bas carbone. Donc le programme ACTE, il a plusieurs partenaires. Tout d'abord, le ministère de la Transition écologique et solidaire, l'AMF, ainsi que l'ADEME et d'autres partenaires institutionnels également qui nous aident dans le montage de ce programme et au suivi du programme. Peut-être un mot rapide sur la FNCCR. Donc la FNCCR, c'est la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, qui fédère plus de 850 collectivités sur le territoire national, qui touche environ 60 millions de concitoyens français, et qui est le service public en réseau d'électricité, de gaz, chaleur et froid, maîtrise de l'énergie, eau et assainissement, économie circulaire, et également tout l'aspect du numérique, la 5G, la fibre, etc., etc. Donc la FNCCR joue un rôle de représentation, d'animation des collectivités auprès de d'animation de les collectivités, du conseil. Elle est aussi le médiateur des collectivités auprès de l'État. Donc l'État impulse les lois, elles sont déclinées au niveau territorial, et au niveau territorial, les collectivités se mettent en ordre de marche pour agir pour la rénovation énergétique, entre autres, et la transition énergétique au sens large. Donc j'ai présenté la FNCCR parce que c'est elle qui porte ce programme. Alors pourquoi la rénovation énergétique et comment ? Donc tout d'abord, comment passer à l'action ? Donc bien sûr, il y a le contexte, il y a les obligations réglementaires avec notamment la loi Elan, le décret tertiaire, des collectivités qui sont exemplaires sur le territoire. Il y a les gains financiers. Donc tout à l'heure, je vous parlerai peut-être des contrats de performance énergétique, de l'intracting, de tout ce qui se passe au niveau des économies d'énergie. Donc il y a des gains énergétiques, des gains sur facture, des gains sur les bâtiments énergivores notamment. Donc on s'est aperçu aussi que durant ces nombreuses années, le coût de l'énergie donc allait croissant et que le coût de l'inaction également allait croissant. Donc, il fallait agir pour la rénovation énergétique. Donc, l'objectif principal du programme, c'est consommer moins et mieux avec moins d'émissions et avoir une certaine attractivité du territoire pour développer et dynamiser le tissu économique local. Alors, plusieurs étapes. Donc, on a trois étapes. La première étape, connaître son patrimoine. La deuxième étape, passer à l'action. Et la troisième étape, vraiment suivre au long terme. Parce que la vision à long terme, permet d'établir la stratégie à court terme, et la stratégie à court terme est importante en termes de retour sur investissement notamment. Vous pouvez voir donc l'important c'est vraiment faire un état des lieux plus ou moins exhaustif de son territoire, lancer un certain nombre de démarches d'audits continus qui sont vraiment suivis qui sont transversaux, qui sont holistiques, avec notamment la maîtrise des usages, avec le confort des bâtiments, avec toutes les externalités possibles, les aspects handicapés, les aspects pompiers, etc. L'aspect passage à l'action avec le groupement de commandes, d'audit, la rédaction de cahiers des charges, passation de marché de travaux, de maîtrise d'œuvre notamment, et vraiment le suivi au long terme avec la contrôle de la bonne réception des travaux, suivre les écarts et faire du suivi de consommation pour corriger les erreurs, les éventuelles erreurs. Donc, on est vraiment dans le suivi et l'amélioration continue, diagnostiquer, passer à l'action, contrôler et optimiser. Donc, je continue sur la présentation du programme ACTE. Donc, c'est un des seuls programmes transversaux à destination des collectivités, un des seuls programmes portés par une fédération de collectivités, et on redistribue près de 90% des fonds aux collectivités. Donc, on agit vraiment sur deux aspects qui sont la mutualisation et le long terme. Donc, on essaie de vraiment cranter la mutualisation dans une vision long terme. Alors, on a trois actions principales dans le cadre de ce programme qu'on s'est engagé à faire. La cellule de soutien aux collectivités, une bibliothèque d'outils en ligne qui permet de donner accès à l'information aux élus comme aux techniciens, à tout type d'informations, donc des fiches conseils, des fiches techniques, des cahiers des charges types qui sont mis en ligne régulièrement sur le site ACTE. On met également à jour des newsletters. Vous pouvez voir ici donc un accompagnement financier des démarches mutualisées d'efficacité énergétique avec les lancements d'appels à manifestation d'intérêt et de ce programme spécifique.
Et comme je le disais, nos deux piliers, vraiment la mutualisation entre acteurs. Donc, ça peut être vraiment une petite commune comme une grande métropole qui candidate au programme. Ça peut également être des syndicats d'énergie, des départements, des régions qui candidateront au programme Acté 2. Sur la droite, là, vous pouvez voir donc, tous ces outils de sensibilisation qui seront vraiment intégrés à la bibliothèque Acté avec les guides, les cahiers des charges, les MOOC, les formations techniques, juridiques, financières, organisationnelles dans le montage de projet. L'aspect simulateur Acté, donc, qui est sorti sur le site internet Acté, sur Acté 1. Puis un outil cartographique, notamment sur les chaufferies fuel, qui est en train d'être réalisé pour vraiment voir où est la chaufferie et qu'est-ce qui est possible de changer pour justement passer en système énergétique bas carbone. Et enfin, des jeux de sensibilisation tels qu'Efficacities, tels que des jeux sur le multi-usage, les outils de sensibilisation. Je poursuis parce que je crois que le temps passe vite. Donc, la mutualisation, comme je le disais, à tout type, à toute taille, vraiment pour faire effet critique, effet de masse critique, effet levier. C'est des mailles techniques, économiques, politiques qui permettent en fait de réaliser des travaux. Donc, qu'on soit une petite commune, comme je disais, une commune qui a besoin d'interconnexion avec d'autres communes pour pouvoir s'engager parce qu'il n'y a pas forcément la maîtrise technique, parce qu'il n'y a pas forcément l'ingénierie, parce qu'il n'y a pas forcément l'aspect financier, elle se mutualise pour vraiment monter, pour vraiment répondre au programme Acté et avoir des financements, un suivi d'ingénierie aussi côté FNCCR lors des comités techniques. Donc, on a une approche holistique, une stratégie long terme. On pense que les économies d'énergie, alors j'aime bien représenter ce pommier, les économies d'énergie, en fait, elles sont accessibles à tous. Surtout lorsqu'il s'agit de sensibilisation, il s'agit d'optimisation des suivis des consommations. Donc, on va chercher les pommiers en bas du pommier et puis grâce à ça, on fait des économies d'énergie. Et grâce à ces économies d'énergie, ça nous permet en fait d'aller au marché puis après de vendre nos pommes et de réinvestir l'argent pour faire d'autres économies d'énergie qui sont bah, par exemple les murs, les toitures, les planchers hauts, les planchers bas. Donc vraiment chercher l'isolation continue, l'optimisation à aller presque jusqu'à des bâtiments BBC. Et enfin, ensuite on va revendre ses pommes, on va s'acheter une échelle pour aller vraiment chercher les économies d'énergie en haut. Et donc là, on pourra même aller jusqu'à la création de valeur, c'est-à-dire avec des énergies renouvelables. Et ça, c'est vraiment dans un objectif long terme. Donc, c'est vraiment la vision globale d'Acté. Sur les trois aspects que je présentais au départ, donc on a l'aspect appel à manifestation d'intérêt, les appels à projets que nous lançons. Donc, généralement, ils ont quatre types de financement. Les ressources humaines avec les économes de flux Acté, donc, que je présenterai tout à l'heure. L'outil et les équipements de mesure et optimisation des consommations. Les audits et stratégies pluriannuelles d'investissement. Qui permettent vraiment d'avoir des actions au long cours. Et enfin, des aides au financement et à la maîtrise d'œuvre, qui est une des spécificités d'Acté 2. On lance un certain nombre d'AMI, d'appels à projets. Donc, il y avait des AMI sur les bâtiments communaux, donc il s'est clôturé. Une deuxième session donc, est au 29 janvier. Donc, quand je dis bâtiments communaux, c'est les bâtiments communaux, intercommunaux, c'est les écoles, les salles des fêtes, les gymnases, les mairies, etc. Les bâtiments sur le secteur du médico-social, secteur de la santé, mais surtout médico-social, notamment avec une focalisation sur les EHPAD et les CCAS. Enfin, on a l'AMI Eucalyptus, qui sera, donc ça c'est l'AMI Santé, ce sera l'AMI Charme. L'AMI Eucalyptus, donc ce sera l'AMI Collège et Lycée. Enfin, nous lancerons donc d'autres AMI sur les DROM notamment, département et régions d'outre-mer, sur un focus sur les écoles. On s'est aperçu qu'il y avait énormément d'écoles qui étaient énergivores. Et enfin, un AMI sur les bâtiments culturels, les musées, les bibliothèques, les conservatoires, les théâtres, etc. Donc ça, c'est pour vous donner une vision globale de ce qui va arriver et de ce qui arrive au fur et à mesure. Donc je vous dis, les deux prochains AMI qui sortiront la semaine prochaine, c'est les bâtiments liés à la santé, médico-social, médico-sociaux et les collèges et lycées. Sur les sous-programmes spécifiques, donc on a deux sous-programmes, notamment un sous-programme qui s'appelle ACTO, donc qui se focalise sur les piscines
qui sont les plus énergivores en France, avec un potentiel, donc on a un potentiel de 1275 piscines. Et sur ces 1275 piscines, en fait, on va avoir un bureau d'études qui va agir avec nous. On va créer aussi des conseils spécifiques sur les piscines pour vraiment aider à rénover les piscines qui sont source et de grande consommation et de peu de rénovation. Et enfin, on a aussi un AMI donc un sous-programme pardon, sur les bâtiments classés, où là, ben, il y aura vraiment tout l'aspect architecte des bâtiments de France, l'aspect architecture extérieure notamment, et l'usage aussi des bâtiments qui est mis au cœur du système. Donc ces sous-programmes, ils ne sont pas encore sortis, ils sortiront normalement début d'année. Et enfin, donc la hotline des collectivités ou la cellule de soutien aux collectivités, donc par mail, par téléphone, avec des ingénieurs côté FNCCR, une cellule vraiment de soutien qui se veut globale, vraiment sur trois thèmes, hein, donc l'aspect ingénierie, l'aspect économique et l'aspect juridique. L'objectif, c'est vraiment que ce soit accessible à tous. Il va y avoir vraiment une logique de temps garanti où voilà, on dit qu'on répond dans les 72 heures d'une manière ou d'une autre à la question, soit avec une première approche, soit avec une approche plus poussée. Donc voilà, il va y avoir donc un numéro vert, ça donne vraiment accès à quelqu'un ça permet vraiment d'avoir accès à quelqu'un et un échange direct et immédiat avec une personne qui peut les accompagner, qui peut les aider, qui peut les orienter en fonction de telle ou telle question. Donc ça, c'est le parcours. Voilà, je suis une collectivité, j'ai un besoin, je veux une aide financière. Donc si oui, à ce moment-là, je candidate aux AMI ou je peux demander à participer au programme. Je contacte, si j'ai des difficultés économiques, je contacte la cellule de support. Et si je veux utiliser un des outils du programme, j'accède librement aux ressources en ligne. Enfin, peut-être un focus sur l'AMI Sequoia, donc qui termine le 29 janvier. Donc vous avez 4 Z qui sont ici représentés. Je ne vais pas aller dans le détail parce que je n'aurai pas forcément le temps, mais en fait vous avez environ 50% du taux d'aide sur chaque ligne, hormis l'étude de maîtrise d'œuvre, et vous pouvez monter des groupements où vous pouvez obtenir une aide de 250 000 euros par membre, en allant jusqu'à 1 million d'euros par mutualisation de dossiers. Aujourd'hui, donc, se tient. Adrien, je pense que tu peux détailler un peu plus parce que ça intéresse, je pense, pas mal de collectivités présentes. Ouais, merci. Entendu. Donc, pour détailler un peu plus, donc, on a vraiment l'aspect ressources humaines avec les économes de flux. Alors, pour détailler un peu plus, je vais dire plutôt le montage. En fait, le montage organisationnel, donc c'est une mutualisation. Donc, c'est par exemple une métropole qui se met avec une ALEC, qui se met avec un syndicat d'énergie et qui souhaite monter un groupement. Ce groupement, ben, il a comme objectif de lancer des audits et de lancer des travaux sur X bâtiments. Donc, il va faire un état des lieux des bâtiments des communes environnantes, des communes appartenant à la métropole, des communes appartenant au syndicat d'énergie. Et ça va donner X bâtiments potentiellement à rénover ou au moins à lancer des démarches d'audit qui se finaliseront en maîtrise d'œuvre. Une fois qu'on a ça, en fait, on va dire, bon, ben, est-ce que j'ai la capacité, est-ce que j'ai une ressource humaine dédiée, c'est-à-dire dans mon service, est-ce que j'ai quelqu'un qui sera dédié à ce programme, qui pourra faire tout ce suivi, qui pourra lancer les marchés d'audit, qui pourra suivre les travaux, qui pourra chercher, faire de la recherche de financement. Si oui, à ce moment-là, il faudra le préciser. Sinon, à ce moment-là, il serait intéressant de prendre un économe de flux. Également pareil sur les outils de suivi des consommations énergétiques, c'est quelque chose qui est vraiment au goût du jour, si je puis dire, donc vous pouvez prendre en fait chaque ligne sont indépendantes, c'est-à-dire que vous pouvez prendre l'une ou l'autre, mais il faut préciser pourquoi. Si vous prenez l'outil de suivi des consommations énergétiques, donc vous êtes plafonné à 50% avec une aide maximale à 30 000 euros, c'est-à-dire que si vous avez un projet d'outil de suivi de consommation de 60 000 euros, nous, on viendra financer jusqu'à 30 000 euros maximum. Enfin, les études techniques, donc les audits, les diagnostics, c'est pareil, c'est-à-dire que vous avez des taux d'aide à hauteur de 50%,
avec des aides maximales à 90 000 euros par membre du groupement. Donc là, c'est si vous avez déjà, par exemple, lancé l'année dernière une campagne d'audit et vous avez déjà audité X bâtiments et que vous n'avez pas forcément besoin de cette ligne, à ce moment-là, il suffit de le préciser également. Et enfin, la maîtrise d'œuvre qui se base soit si vous êtes une commune plutôt du secteur rural avec un bouquet, une sorte de bouquet de travaux, de bouquet de maîtrise d'œuvre, de bouquet d'études de maîtrise d'œuvre, soit à hauteur de 30% en fait sur les études globales du groupement. C'est-à-dire que si le groupement demande 180 000 euros d'études globales, il sera financé à hauteur de 30% de ces 180 000 euros. Donc ça, c'est pour vous donner une idée. Est-ce que c'est bon pour vous? Enfin, je ne sais pas s'il y a des questions, sinon je poursuis. Oui, c'est bon. Je pense que c'est bon. Il y aura des questions en fin de présentation, je pense. Entendu. Ouais. Très bien, je poursuis. Sur les aspects économes de flux, donc, et en fait, ils sont vraiment complémentaires au réseau des CEP, des conseillers en énergie partagée. Ils agissent tant dans le secteur rural que dans le secteur urbain. Ils ont vraiment l'aspect mutualisation que je repréciserai tout à l'heure. Et puis, il y a vraiment toute cette chaîne de valeur. Donc, ils font du repérage, de la détection, du conseil, du diagnostic. Ils agissent vraiment sur le plan de financement, la rédaction et le lancement d'attribution des marchés, les travaux, les suivis post-travaux. Et si un conseiller en énergie partagée est déjà présent sur le territoire, l'économe de flux va devoir s'adapter et pas forcément faire exactement ce que fait le CEP. C'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment d'être complémentaire, c'est-à-dire qu'il va devoir, par exemple, agir sur le plan de financement, agir sur les travaux, sur le suivi post-travaux. L'objectif, c'est vraiment que ces deux réseaux soient complémentaires l'un et l'autre. Comme je le précisais, aujourd'hui, on a 60 économes de flux sur le territoire. Donc, c'est vraiment un réseau qui se construit au quotidien. On lance des groupes de travail avec eux, on a un certain nombre de retours d'expérience également. Enfin, donc sur l'aspect d'intégration de réseau, donc c'est une plateforme, ils ont accès à une plateforme d'échange, il y a une charte d'économes de flux qui est en cours de finalisation, il y a des formations techniques, juridiques, financières pour les aider vraiment à mieux acquérir le projet. Et enfin, il y a des suivis, enfin, il y a vraiment un suivi des économes de flux avec des organisations et des échanges bilatéraux et puis des sessions d'échange à l'échelle régionale lors des comités de pilotage régionaux notamment. Donc voilà, le COP, lui, va plutôt rayonner et vraiment l'économe de flux, lui, va mutualiser. Sur le calendrier prévisionnel, un peu comme ce que je vous ai précisé tout à l'heure, mais de façon rétro-planning, donc vous avez donc les bâtiments de la santé donc qui sortent la semaine prochaine. Sur ce qui va être collège et lycée, c'est également la semaine prochaine que l'AMI sort, donc il sera en ligne sur le site Actée. Les piscines, les bâtiments classés, ce sera plutôt début janvier. Les bâtiments culturels, parcs nationaux, ce sera aussi début janvier. Et enfin, nous, on co-construit avec les partenaires des guides, des cahiers des charges, des formations, des MOOC en ligne au fur et à mesure en fait de l'avancée du programme. Donc votre porte d'entrée, c'est ou un contact mail pour échanger ultérieurement avec l'équipe Actée et ou moi-même, et vous pouvez retrouver l'ensemble des actualités, l'ensemble des AMI sur le programme-c2e-actée, et vous pourrez également retrouver les AMI en haut à droite en allant vraiment dans réception des dossiers, et là vous pourrez choisir sur quel AMI vous souhaitez vous présenter. Voilà, vous pouvez également nous retrouver donc sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn. Voilà, quelles questions vous avez? Je ne sais pas si on a encore du temps pour répondre, mais j'essaierai peut-être de répondre à 2-3 questions. Oui, on va prendre un peu de temps en tout cas. Donc, il y avait une première question sur le réinvestissement des économies dans le budget des collectivités. Et donc, est-ce qu'on peut le réinvestir en investissement ou en fonctionnement? Je pense que c'est assez technique comme question, assez juridique, mais dans l'idée... Est-ce qu'on se retrouve un peu comme l'interacting de la Caisse des dépôts? Je ne sais pas si ça vous parle. En fait, on n'est pas forcément dans l'interacting de la Caisse des dépôts qui, lui, vraiment se base sur les travaux. Nous, c'est un programme donc, qui est complémentaire au C2E classique,
C'est-à-dire que nous, on va apporter vraiment tout l'aspect amont des travaux et l'aspect aval, donc c'est-à-dire les C2E classiques, c'est eux qui vous permettront de faire des économies d'énergie en forme d'escargot, en fait. C'est-à-dire qu'au début, c'est vraiment thésauriser les économies d'énergie pour en faire davantage et davantage. Mais ça, c'est une fois que vous lancez les travaux. Donc nous, en fait, on est ce passage à l'acte. C'est aussi la raison pour laquelle on a choisi cet acronyme d'études aux travaux. Parfait, merci. Il y avait une question sur la différence entre Amorce et la FNCCR sur les questions énergétiques. Camille a fait une réponse sur Amorce dans le chat. N'hésite pas à faire une réponse peut-être sur la FNCCR, sur vos spécificités, peut-être. Voilà. Oui, mais sur les spécificités, en fait, c'est la FNCCR, c'est vraiment les services publics en réseau. Voilà, le programme ACTE, il est porté par la FNCCR, mais c'est quelque chose qui est un peu aussi un peu indépendant, c'est-à-dire qu'il est vraiment ouvert à tous. Tous les guides, toutes les fiches conseils, ils sont accessibles et ils sont en ligne, donc tout le monde peut y accéder. Et pas seulement les adhérents FNCCR. Donc c'est vraiment, on ouvre au maximum pour qu'il y ait un maximum de collectivités qui s'engagent. Bien sûr, l'ensemble est accessible et gratuit, notamment sur l'aspect du simulateur. Après sur les aspects techniques, voilà, on aide en fait on aide les collectivités au mieux dans tout ce que je précisais auparavant, c'est-à-dire vraiment le numérique, la gestion des déchets, l'économie circulaire, etc., etc. On est aussi dans différents groupes de travail, notamment avec les acteurs étatiques. On est présent également au Conseil supérieur de l'énergie. Voilà, c'est pour vous donner, on a quand même la fibre énergétique qui est développée. D'accord, merci. Il y avait une question sur les économes de flux. Donc, à savoir, est-ce que l'aide ressources humaines doit forcément concerner un économe de flux du réseau FNCCR ou est-ce que ça peut être un poste qui est déjà en place dans la collectivité? Alors, généralement, c'est ni l'un ni l'autre. C'est presque de la création de poste, en fait, qu'on demande. Si c'est un poste déjà en place, il faut faudra vraiment préciser les missions parce que les missions seront différentes. En fait, c'est de la création de poste. Voilà, c'est il faut ouvrir un poste. D'accord. Est-ce que la ressource humaine peut être externalisée? Donc, est-ce que l'économe de flux peut être externalisé, à savoir prestation d'un partenaire local, j'imagine, soit un bureau d'études, soit une asso? Nous, on a des assos, par exemple, sur le territoire du Grand Est qui font ce boulot-là, par exemple, d'économe de flux un peu. Alors, Je ne crois pas dans Acte 2. En tout cas, on ne l'a pas matérialisé comme ça. En revanche, il peut y avoir une sorte de ressources humaines sur l'aspect, je pense, des audits ou plutôt l'aspect intellectuel d'audit, où là, il peut avoir appel à une ressource externe pour aider justement les collectivités qui souhaitent s'engager et qui n'ont pas forcément les outils internes et qui n'ont pas forcément le temps de recruter. D'accord. Donc, par contre, là, c'est de l'aide plutôt qui est sur la ligne, sur la ligne ressources humaines ou plus, c'est plutôt ça, l'autre plus, non, plutôt sur la ligne audit, en fait. Ouais. D'accord. OK. Ça marche. Voilà. Et il y avait une proposition de Laurent Vogel qui est de former un groupement, alors à l'échelle du Bas-Rhin, c'est sa proposition, mais pourquoi pas peut-être plus large pour répondre à Acte 2. Ah ben volontiers. N'hésitez pas à proposer. Et alors il y a une question aussi sur la taille du groupement. Est-ce que par exemple des communes d'une intercommunalité, d'une grosse intercommunalité, peuvent répondre ensemble avec l'interco pour former un groupement? Ou est-ce qu'il faut que ce soit deux interco, etc.? Alors oui, bien sûr, c'est possible. C'est possible qu'il y ait plusieurs communes et une interco. Après, en termes de mutualisation, nous, on pense que c'est quand même mieux d'élargir, c'est-à-dire de dire, bon, il y a l'interco, mais il faut peut-être aller voir d'autres intercos pour monter un groupement un peu plus massifié. Mais libre à vous. Voilà, les cartes sont dans vos mains. D'accord. Eh ben, merci beaucoup. Je pense qu'on a traité la plupart des questions. Voilà, donc les questions des... c'est bien ça.
les différentes questions ont été traitées. Je te remercie, Adrien, pour cette présentation. Évidemment, elle sera disponible aussi, je vous l'enverrai. Et avec plaisir. On va passer à la suite. Merci beaucoup. Voilà. Et donc, on va passer juste avant, Isabelle, est-ce que vous arrivez à entrer en contact avec nous? Oui, allô? Oui, parfait. Eh bien, je retourne sur Alvéole. Parfait. Oui, excusez-moi, j'ai eu un petit problème informatique. Donc, je vais essayer d'être brève. Donc, j'interviens en notre retour d'expérience sur le programme Alvéole. Donc, moi, je suis responsable du service de l'aménagement urbain de la commune d'Ilkirch-Grafenstaden, donc une commune de 27 000 habitants. Nous sommes dotés de plus de 63 km de pistes cyclables et avec une politique assez volontariste en matière de développement de l'usage du vélo, notamment dans l'intégration systématique dans tous nos projets de voirie des modes actifs. Il y a également une participation financière pour l'achat d'un vélo à assistance électrique ou dans nos projets d'installation d'équipements qui permettent d'inciter les élèves notamment à se rendre à l'école de manière autonome, à vélo, à pied ou à trottinette. Et donc, nous avons participé au programme Alvéole par rapport à l'installation d'abris vélos sécurisés dans les cours d'école. La plupart des cours d'école sont déjà équipés et donc on a réalisé des extensions de ces abris, donc des abris à l'intérieur des cours d'école, des abris couverts et qui permettent donc d'attacher et de sécuriser les vélos des enfants. Et ça a été installé courant de l'année dernière. On a encore d'autres projets qui pourront être portés par Alvéole, notamment d'installer des abris vélos au centre technique municipal et dans d'autres cours d'école, puisqu'on a un petit programme d'amélioration de la sécurité aux abords des écoles et dans les écoles. Et donc, de ce fait, c'est toujours très intéressant de permettre aux enfants de venir avec leur vélo et de pouvoir surtout l'attacher, le sécuriser sans souci. Voilà, donc par le programme Alvéole, on participe également, ce que Eva Pénisson vous a expliqué tout à l'heure, à des sessions au sein de l'école pour améliorer, l'usage du vélo. Hein. Donc ça, c'est des choses qui seront dispensées par la FUB, mais qui pour l'instant n'ont pas pu être faites à cause du confinement. Et je pense que ce sera réalisé au courant de l'année prochaine au sein de chaque école, au sein de l'école qui ont été équipées en abri vélo. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions. Vous m'entendez? Je vous entends. Il n'y a pas de questions à ce stade directement. En tout cas, est-ce que vous pouvez laisser vos coordonnées si certaines collectivités ont besoin de votre retour d'expérience pour justement oui, savoir bien sûr. Comment ça s'est passé? Je vous laisse vos coordonnées sur le chat. Petite question, alors on s'est vu il y a 3 semaines justement sur ce même webinaire et il y avait la question des ateliers vélo, enfin sensibilisation des enfants qui avait dû être reportée. Vous avez une date maintenant ou... Oui, c'est ça. Non, je n'ai pas encore de date. On attend un petit peu aussi le déconfinement ça devait avoir lieu en novembre, mais voilà. D'accord. Donc ça aura lieu au printemps. Il fera meilleur. Voilà. Parfait. Eh bien, merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Je pense que c'est précieux pour les autres collectivités. Merci pour votre présence. Alors, je vais continuer. On va toujours parler d'école. Ce coup-ci, hop, je partage. Voilà. Donc, je vous propose maintenant de passer aux différents programmes au sujet de l'éducation, sensibilisation aux économies d'énergie, donc qui est orienté sur les publics scolaires. Voilà. Et donc, le premier programme, il y a Mission Énergie, donc les jeunes s'engagent pour les économies. Donc, c'est un programme
intéressant qui s'adresse à la fois aux écoles primaires, aux collèges et aux lycées, avec des ateliers et des animations, notamment un escape game et un bus éco-énergie. Et il y a des outils accessibles pour les jeunes et les formateurs. Et honnêtement, pour avoir fouillé un peu les outils, donc qui sont en fait des fiches thématiques, elles sont très bien faites. Donc, il y a des fiches outils par niveau. Donc, si vous avez dans votre entourage des enseignants, ça peut être un bel outil. Et même, franchement, pour des chargés de mission énergie, il y a des très belles fiches niveau lycée qui permettent de bien resituer l'ensemble des choses. Et je vous conseille vraiment de les lire. Donc, c'est sur le site internet missionenergie.goodplanet.org qui est en dessous. Et il y a aussi un concours d'innovation, donc un concours où la classe peut être lauréate et gagner des lots. Voilà. Donc, dans la même veine, il y a Cube S, donc il y a un challenge pour les lycées et collèges. L'idée, c'est de faire un maximum d'économies d'énergie. Les élèves ont accès à des kits. Donc pour faire des économies d'énergie, que ce soit au lycée, mais également à la maison. Donc, ils repartent avec l'équipe pour faire des économies d'énergie à la maison. On touche le foyer via l'enfant, donc que ce soit le collégien ou le lycéen. Et il y a un accompagnement et des formations des équipes pédagogiques. Le budget global, c'est 12 millions d'euros. Et vous avez le site internet, à savoir qu'il y a quand même un coût pour la collectivité de l'ordre de 850 à 1500 euros hors taxes par établissement. Alors, on m'a dit, en tout cas, le département du Haut-Rhin, qui était présent au dernier webinaire, a dit qu'en raison notamment de la crise sanitaire, il y avait une nouvelle offre, ce qui était que c'était gratuit, en fait. Cette année, CUBES est gratuit pour les établissements collèges et lycées, à vérifier, mais apparemment, voilà, le programme est gratuit cette année, donc profitez-en. Vous avez le programme Génération Énergie. Donc là, il y a une intervention de 2 heures en classe, des concours créatifs avec souvent des vidéos, des dessins, etc. Sur la thématique de l'énergie et une plateforme de e-learning, j'imagine, avec des vidéos. Le budget, c'est 10 millions d'euros et la date de fin, c'est le 30 juin 2022. Et là aussi, on touche les collèges et lycées. Et je vous propose de passer sur Wati et Mobi, que Chloé Aumont va nous présenter. Chloé, est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour. Désolée pour le retard, Chloé, hein, on a pris un peu de retard. J'espère que ça va de votre côté, que vous n'avez pas d'impératif. Ça ira. Alors, je vais peut-être partager mon écran. Hop, voilà, sur la présentation. Donc là, normalement, vous devez voir la même chose que moi. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Impeccable. Alors, donc, je vais vous présenter 2 programmes en milieu scolaire qui donnent droit donc, à des certificats d'économie d'énergie portés par notre... je vais commencer par le programme Wati et puis sur les économies d'énergie et puis j'enchaînerai sur le programme Mobi sur l'écomobilité scolaire. Donc, Wati, c'est un programme de sensibilisation aux économies d'énergie et d'eau à destination des enfants d'écoles maternelles et primaires. C'est un programme qui dure un an renouvelable. On peut s'engager sur plusieurs années, sachant que pour le moment, on est donc labellisé C2E sur la période qui va de septembre 2020 à juin 2023. Ce programme, il existe depuis 2013. Aujourd'hui, on a déjà sensibilisé plus de 173 000 enfants à juin 2020. Et puis, notre objectif pour cette nouvelle période C2E, donc, c'est d'engager plus de 15 000 classes d'ici à juin 2023. Sur le contenu, on va avoir 4 grands volets. Le premier volet, ce sont donc des ateliers, 3 par an, animé en classe par un intervenant spécialisé. Un intervenant qui est soit issu d'EcoCO2, soit issu d'une structure locale partenaire, d'une association qu'on aura au préalable formée. Ces ateliers, ils durent 1h30 environ. On se cale en fait sur les temps de pause et de récréation des enfants. Et puis, donc, on a un contenu adapté à chaque niveau de classe. On ne va bien sûr pas faire les mêmes ateliers en matière
maternelle et le CM2, et puis à chaque territoire, notamment sur les climatiques de chauffage et climatisation. On aura toujours un premier atelier de sensibilisation générale pour bien comprendre ce que sont les énergies, comment on les utilise aujourd'hui et comment on peut mieux les utiliser via des éco-gestes au quotidien. Et puis ensuite, deux ateliers plus thématiques sur l'éclairage, sur le chauffage, sur l'eau, sur les appareils électriques et l'éveil, etc. Le deuxième volet, ça va être des événements au nombre de deux sur l'année pour dynamiser un petit peu le programme. Il y aura donc un concours national d'expression artistique inter-école qui a lieu de janvier à avril et pour lequel les enfants peuvent participer individuellement, en groupe ou en classe si l'enseignant souhaite en faire un projet de classe. Ça peut être aussi quelque chose qui peut être fait sur le temps périscolaire, par exemple. Le thème de l'année dernière, c'était « Quel super-héros êtes-vous pour la planète ?» Et puis donc un deuxième événement, au choix parmi un catalogue d'événements thématiques, souvent en lien avec le thème de l'atelier choisi, et là sur l'éclairage, sur le chauffage, sur la réduction des déchets, etc. Le troisième volet, c'est ce qu'on va appeler les minutes économisent l'énergie, où on va mettre à disposition des enseignants un certain nombre d'outils pédagogiques pour qu'ils puissent faire de courtes animations en classe pour rappeler un petit peu les éco-gestes tout au long de l'année aux enfants. Et puis enfin, le dernier volet, ça va être un rebond vers les familles. On sait d'expérience que les enfants essayent de mettre en pratique les éco-gestes appris en atelier à la maison. Mais en plus, dans le cadre de l'atelier sur l'eau qu'on fait en général en première année, on va distribuer à chaque élève un kit économe constitué d'un débitmètre et de deux mousseurs qu'il remportera chez eux. Ils vont faire une expérience en classe avec le débitmètre et le mousseur sur un des robinets de l'école et on leur demande de refaire la même expérience à la maison avec leurs parents. Alors, sur le financement du programme, il est financé donc pour l'essentiel, à hauteur de 77%, par les certificats d'économie d'énergie, avec néanmoins un plafond de 1 000 euros par classe et par an. La collectivité locale n'a à s'occuper que des 23% restants, on se charge de toute la partie financement CE2. Et le coût global du déploiement du programme va dépendre, lui, à la fois du nombre d'écoles engagées et puis du nombre de classes engagées par école. Donc, je vous donne une fourchette aujourd'hui. Si vous avez besoin d'un chiffrage précis, n'hésitez pas à revenir vers moi avec le nombre d'écoles et de classes que vous souhaitez engager. Donc, le reste à charge collectivité, pour vous donner une fourchette, est situé entre 230 et 500 euros par classe et par an environ. Voilà pour le programme WATI. Je ne sais pas s'il y a eu des questions jusqu'ici. Une question qui concerne comment se fait le choix entre un animateur éco-CO2 et une autre association. Alors, j'imagine que c'est une question pour savoir si vous intervenez vous ou si vous avez un prestataire local ou une association, un partenaire local. Alors, en fait, on va intervenir, nous, principalement en région PACA, donc ça ne concerne pas tellement le Grand Est, parce qu'historiquement, on avait commencé le programme là-bas, puisqu'ils sont en bout de ligne, donc ils avaient des problématiques de sobriété énergétique un peu plus importantes. Et puis, quand on a déployé le programme sur toute la France, il a été décidé plutôt de passer par des structures associatives locales. Donc, en Grand Est, a priori, on passerait par des associations locales, sachant qu'on travaille déjà notamment avec Lorraine Énergie Renouvelable, par exemple, sur la Lorraine. Est-ce que vous savez s'ils sont présents aujourd'hui ou pas, finalement? Alors, je n'ai pas vu apparaître Aubin Lambert, si vous voyez. Peut-être, je ne sais pas. LER, si vous êtes là. Si, je suis là. Ah, bah, okay, super, bah, si vous voulez intervenir, du coup, sur un petit retour d'expérience. Ben, j'ai commencé les premiers ateliers au début novembre et de mon ressenti, j'ai trouvé que les ateliers étaient adaptés vraiment à tous les niveaux, du cycle 1 au cycle 3. Et les enseignants, ils avaient plutôt des bons retours sur WATI. D'accord. Simplement, pour resituer pour l'ensemble des participants, donc Monsieur Aubin, vous êtes donc salarié de LER et vous intervenez dans le cadre du programme WATI sur dans les écoles de Lorraine, c'est ça? Oui. Exactement. Oui, Lorraine uniquement, c'est ça? Ou... Meurthe-et-Moselle. Ouais, Meurthe-et-Moselle. On a quatre départements de la Meurthe-et-Moselle engagés en Meurthe-et-Moselle.
Voilà. Ok, parfait. Donc, ça répond à la question de Gaël, qui est de savoir, est-ce qu'il y a des prestataires locaux ? Oui, et en tout cas, en Meurthe-et-Moselle, il y a LER qui peut intervenir. Voilà. Après, donc, on est en discussion sur d'autres départements, avec d'autres structures associatives, mais aujourd'hui, on n'a pas de relation. Alors, Chloé, ça coupe un peu. Si vous pouvez enlever votre caméra, je pense que ce sera un petit peu mieux. Merci d'avoir essayé, en tout cas. C'est vrai que c'est plus sympa avec la vidéo parce que ça permet de mieux suivre. Aubin, merci pour votre intervention. C'était intéressant. Et n'hésitez pas, je parle aux collectivités présentes, à en parler aux associations de vos territoires pour dire, bah, voilà, vous aussi, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement financier pour intervenir dans les écoles. Par contre, voilà, dans un cadre qui est quand même assez précis, qui est celui de Wati. C'est bien ça, hein, Chloé ? Oui. Donc, à négocier en amont avec EcoCO2. Mais n'hésitez pas à utiliser. Et puis, de toute façon, je pense que voilà, c'est toujours mieux quand c'est fait en local, parce que c'est plus simple à organiser, ça coûte moins cher. Et puis je pense que ça parle mieux aux gens. Merci. Alors, pour Wati. J'enchaîne avec Moby et puis de toute façon je fournirai donc la présentation avec mes coordonnées à la fin si vous souhaitez plus d'informations. Donc l'objectif de Moby, il est un petit peu différent de l'objectif de Wati. Là on va être plutôt sur de l'accompagnement en gestion de projet. On va en fait accompagner une collectivité à la mise en place d'un plan de déplacement établissement scolaire. L'idée, c'est de le co-construire avec l'ensemble des parties prenantes autour de cet établissement. Et le programme concerne les écoles élémentaires, les collèges et les lycées. On exclut cette fois les maternelles qui ne sont pas assez autonomes en termes de mobilité. Et puis, il y a un deuxième volet de sensibilisation, donc de tous les élèves des établissements accompagnés aux grands enjeux de l'écomobilité. Ce programme-là, il dure 2 ans. Cette fois, 2 années scolaires pour avoir le temps d'établir un plan d'action et puis de le mettre en place. Pour les différentes étapes, on a donc une première étape de lancement où on va identifier les différents acteurs concernés par la mobilité autour de l'établissement. Bien sûr, les collectivités, la direction de l'établissement, les personnels de l'établissement, les élèves, les parents d'élèves. Ça peut être aussi l'entité qui se charge du ramassage scolaire, par exemple, et puis des associations locales en lien avec la mobilité. On va les informer du programme Moby et puis on va organiser un événement de lancement dans l'école pendant lequel on va mettre en place un comité Moby qui sera composé de volontaires de toutes ces parties prenantes. Les différentes étapes du PDS, elles seront accompagnées par un chargé de mission Moby qui va notamment ensuite se charger d'établir un diagnostic à la fois mobilité, où il va analyser où se trouvent les différents élèves et personnels de l'école et par quels moyens de transport ils se rendent sur l'établissement scolaire. Et puis un diagnostic accessibilité pour voir si en tant que piéton, cycliste, usager, transport en commun ou de covoiturage, on arrive à se rendre sur le lieu d'école ou s'il y a des freins en termes de sécurité ou de stationnement, etc. Une fois qu'il aura fini son diagnostic, il le présentera au comité Moby qui va choisir collectivement un plan d'action. L'idée, c'est de choisir entre 3 et 5 actions qui semblent les plus pertinentes au vu des résultats du diagnostic. Sachant que nous, en amont, pour aiguiller un petit peu le comité Moby, on a rédigé un certain nombre de fiches actions qui donnent des exemples d'actions à mettre en place avec les différentes étapes de mise en place pour le faire. Donc là, on va arriver à 4 à 6 mois du programme à peu près. Et donc l'année et demie qui va rester va consister à mettre en place les actions, à les suivre et puis éventuellement à les adapter si on se rend compte que certaines actions n'ont pas les résultats escomptés. Dans le même temps qu'on va mettre en place le plan d'action, on va donc sensibiliser les élèves aux grands enjeux de l'écomobilité. En école élémentaire, il s'agira d'un atelier sur l'écomobilité par an et par classe, donc 2 ateliers au total sur le programme, d'une durée à peu près d'une heure et demie à 2 heures. Et puis en collège-lycée, il s'agira de 6 à 8 événements de sensibilisation à l'échelle de tout l'établissement cette fois. Ça peut être des projections débats, des stands, des interventions d'associations pour apprendre à réparer son vélo, par exemple, ou à faire du skate ou de la trottinette, etc. Il y a plusieurs événements au choix. Sur le plan d'action, on va suivre un certain nombre d'indicateurs, notamment des indicateurs quantitatifs, où on va faire un mini bilan carbone de chaque action, et puis des indicateurs aussi qualitatifs, où on va regarder l'évolution du comportement des élèves en classe, sur la concentration en classe par exemple, ou alors la perception de l'environnement, qu'il soit d'un point de vue sonore ou de sécurité sur ses déplacements, donc domicile-école.
Et puis, en fin de deuxième année scolaire, on fera un bilan avec les résultats obtenus, les actions résiduelles à poursuivre. Et puis, on va surtout réfléchir à comment pérenniser le PDES sans l'accompagnement mobile pour les actions donc, qui dureraient plus de 2 ans. Sur le budget, cette fois, donc on a la même prise en charge C2E de 77%. Et puis, le reste à charge collectivité va dépendre du nombre d'établissements engagés, de la taille de ces établissements. De manière générale, on a un budget qui oscille entre 2500 et 4500 euros par an et par établissement en reste à charge. Voilà, et vous voyez que, bien sûr, plus il y a d'établissements engagés et plus on peut faire des économies d'échelle sur ce reste à charge collectivité. Pour un collège-lycée, cette fois, on va être plutôt entre 3500 et 5500 euros par établissement et par an environ, parce que les établissements sont en général plus conséquents et qu'il y a un peu plus de sensibilisation. Voilà, et donc aujourd'hui, dans le grand test sur MOBI, on a surtout donc le conseil départemental du Bas-Rhin qui s'engage pour 4 collèges. Et puis la communauté d'agglomération d'Épinal qui s'engage pour 4 écoles primaires, à commencer donc en janvier 2021. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur MOBI ? Parfait, bah, merci beaucoup en tout cas pour la présentation. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur le programme, enfin les programmes, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Voilà, donc sinon, merci beaucoup, hein, Chloé. Je sais que ce n'est pas simple d'arriver en dernier, surtout après un webinaire aussi dense. Il n'y a pas de souci, j'ai eu la chance de pouvoir passer en premier la dernière fois. C'était un peu l'idée d'inverser parce que je sais qu'on perd du monde au fur et à mesure. Voilà. N'hésitez pas, les participants, à poser vos questions, sinon à prendre les adresses mail. En tout cas, je voulais vous remercier tous pour votre participation aujourd'hui. Vous étiez nombreux. Je pense que vous avez vu que les programmes C2E offrent beaucoup de potentialités de financement. Alors, effectivement, c'est compliqué de tous les solliciter, mais c'est au moins intéressant de savoir qu'ils existent, d'aller creuser un peu et puis de voir lequel est le plus adapté ou lesquels sont les plus adaptés pour votre collectivité. Donc, les présentations seront disponibles donc sur la plateforme Intradem. Je rajouterai la présentation du Claire sur le SLIM, parce qu'en fait, la dernière fois, on n'avait pas eu la chance d'avoir cette présentation, donc elle n'était pas disponible sur l'Intradem. Pour les autres, j'ai bien noté vos adresses e-mail et je vous enverrai l'ensemble des présentations. Je m'adresse maintenant aux intervenants. Si jamais vous avez modifié de manière importante votre présentation entre le 5 novembre et aujourd'hui, n'hésitez pas à m'envoyer vos présentations. Donc, comme ça, je les rajouterai sur l'Intradem ou je les changerai. Voilà. Sinon, je voulais vraiment remercier l'ensemble des intervenants. Vous étiez nombreux et je pense que c'est chouette parce que ça permet d'avoir une bonne dynamique et puis de pas s'endormir pour les participants avec une seule personne qui parle pendant 2 heures et puis d'avoir des retours d'expérience très différents et un bon panel des différents programmes présenté. Donc merci à tous, merci d'avoir été présents et pour les participants également, et j'espère que ce webinaire sera utile dans vos collectivités.